Bougez pas. Non, on va faire ça comme ça. Hop. Je vais dégager ce contour. Voilà. Allez, touchez votre nez. Et on est parti. Ça qui est 18h18. J'ai bien avancé. Pour le coup, je vous ai pas attendu. Je négocie avec mon mari pour faire une mini place pour un setup rose dans sa pièce gaming FIFA. Ah ouais, vraiment, ça va faire... Ça va faire... J'allais dire tâche, mais non. C'est FIFA qui fait tâche. Ça va vraiment faire un petit changement, quoi. Ça, c'est clair. Oh, let's go, Tess, ça marche. Je prends note, je prends note. Je vais juste me remettre à la bonne heure, parce que... Non, vraiment pas, Numap. Ça va, en vrai, niveau des couleurs et tout, non? C'est assez ok, en vrai, je pense. Ah, mais je suis presque à la bonne heure, en fait. Hein. J'étais pas longtemps, mais... Allez! C'est Yoga, c'est le mélange entre Seiya et Yoga de Senseiya, des Chevaliers du Zodiac. C'est le nom que j'avais trouvé pour une de mes villes sur ACNL et je voulais absolument, absolument faire une petite dédicace à mes anciennes parties. Du coup, j'ai rappelé une île comme ça. Je fais ça mims. Je me suis dit, allez, soyons fous. On refait pareil. Est-ce que le son est trop fort ou est-ce que ça va? Vous me dites, hein. Salut Virgie, ça va? Salut Visco, comment ça va? Waouh! Namasté, c'est pas ce yoga là. Alors, je vous montre. Déjà, vous avez vu mon beau perso par rapport à hier. J'ai beaucoup joué en fait. Lolo, t'as quoi comme fruit déjà? Oh ma zubir. De base, c'est quoi ton fruit de base? Yaourt avec la gastro, je sais pas trop, Elali. J'éviterai perso. Vu que c'est liquide. Enfin, c'est pas une texture qui éponge en gros. Mais c'est une nouvelle personne là, vous avez vu, j'ai géchant, hein, franchement. J'ai bien géchant. Hein. Coucou Gugu, c'est gentil, merci. Bah tiens, encore lui. Le revoilà. Quoi de neuf? Voilà. Je lui parle, hein. Première personne à qui je parle, il me demande une quête. Il est partout, bien sûr qu'il est partout. C'est Bébou. Il s'est téléporté. On va chercher un fruit. J'aime avoir de la pomme pour Jonan. Et t'as eu quoi? J'ai l'orange en fruit de base et la poire par Marie. Oh cool, je les ai pas ces fruits. Moi j'ai la cerise et la pomme. C'est pour toi. Et j'aimerais bien aussi... je vais vous montrer. Je pense qu'on peut se faire... On peut se faire un peu de tété. Vas-y, ça marche, Tess, y'a pas de soucis, à plus tard. Qualité comparée à New York. Ah oui, c'est sûr. Non, c'est sûr, il y a une différence de qualité complète. Hein. Bah là, c'est un jeu sur DS. Hein. C'est un jeu sur DS, donc forcément que la qualité elle est moins bien. C'est un tout petit écran que vous voyez en grand. Donc c'est tout étiré, donc c'est très pixelisé, etc. C'est normal. J'ai planté des cerises parfaites. Toutes les pousses là, c'est des cerises parfaites. Voilà. Suggérer mon géniteur là, stop, mais c'est trop ça par contre. Donc Lolo, tu sais ce que ça veut dire? Source de revenus. On va aller faire les boutiques et on va aller téter un petit peu après pour faire pousser les arbres, les récupérer et les vendre par la suite. Ah mais j'ai déjà fait les boutiques parce que regardez mon inventaire. Ah j'ai déjà fait les boutiques en fait aujourd'hui. Non c'est pas dégueu en vrai, hein. Franchement ça va. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'expression c'est pas si pire. Je connais pas cette expression. C'est pas si pire. Genre j'ai l'impression que c'est une expression genre que je connais pas. Ouais Lolo, j'ai la supérette, j'ai la boutique. Ouais j'ai pas mal joué hier soir hein, comme je vous disais. Ah oui c'est pas si pire, bah ouais mais... Pas pire que ça plutôt. Mais je sais pas, je trouve la tournure de phrase elle est bizarre, genre c'est pas si pire. Je sais pas, ça me perturbe. Merci pour le follow, merci beaucoup. Tout ça je peux vendre, j'ai débloqué un chiotte et aussi un mannequin. Il m'a donné ça la yette et surtout j'ai mes premiers chemins.
On a de quoi faire. J'ai changé la... Mais j'ai pas changé le jeu. ACNL. Je vais sortir de chez moi parce que là, ça pue du cul ici. Ça sent les pieds à côté des chiottes, là. Studio vidéo. C'est une expression québécoise. Ah ouais? Mais moi, franchement, je vous jure, j'utilise jamais cette expression. Enfin, je la connais pas, quoi. C'est l'épisode 3. Et c'est... On va appeler l'épisode... Putain, mes ongles, j'avais pu à côté de la touche. Purée! Excusez-moi. Toujours plus de clochettes. Ah pardon. Et j'ai ma paupière qui fait... Quel enfer. Bon attendez, je me mouche en même temps, comme ça ce sera fait. J'arrive, bougez pas. La paupière qui danse la funk, vraiment. Sur la 3DS, Talia. Sur quoi d'autre? Hop. Ok, alors. Ah, c'était les fleurs, peut-être que j'ai pas arrosé. Mais fallait que je vende des trucs chez Risette. Hop. Oh non, la clou. Moi, ça va, en tout cas, merci. Et mais salut, Ava, ouais, j'ai pas mal avancé. Bonjour à ceux qui arrivent en tout cas, bienvenue à vous, j'espère que ça va vite aller mieux là pour ceux qui sont malades, purée. C'est pas mal à être malade de fou, genre la grippe, la gastro et tout là, franchement c'est pas fun. Alors, je vais te vendre... Tout. Littéralement. Il a combien ton taux? ...54. Gastro team. J'aimerais bien ne pas rejoindre cette team personnellement. Ah, quelqu'un veut acheter. Tiens, Fanny. Il te tente ce fossile? Là, tu sais ce fossile là. T'aimes bien? Voilà, je crois que t'aimes bien. Je l'ai mis à 6000. Allez, 6000 supplémentaires, ça c'est cool. Slay, pas Slay, pas Slay. Non, on fait pas le MK que la clou. On vient de passer sur Animal Crossing, justement. 12 jours de gré, ça commence à aller mieux. Seulement, purée, après 12 jours. L'angoisse, quoi. Ah, super Fab, tu t'es trompé de personne, je crois. Celui qui arrête, mais tout à l'heure, il y a genre... Un moment maintenant, quand même. À 17h54, c'était il y a une bonne demi-heure. Quand même. Mais non, attendez. 17h54? Il y a 30 minutes, ça fait que 30 minutes, j'ai l'impression que ça fait genre une heure. Ah ouais? Pourtant, ça fait genre... Ça fait franchement, ça fait une heure, enfin ça fait plus de 30 minutes qu'on a fait la dédicace. Elle vient de se mettre chez vous? Bon écoutez, c'est pas plus mal, hein. Allez follow, hein. Écoutez. J'ai tous les fruits, espèce de tricheur. Moi je pagnette pas, moi. Ok, bon. On va trier. Je vais juste... prendre l'arrosoir. Oupsie. Sorry, sorry. On va aller sur la plage, on va aller regarder pour les... Pour les fleurs, on va les arroser. Casse-toi, Jamie. On va les arroser et après on va téter de 4-5 jours. 5 jours, comme ça au moins ce sera bien poussé. Non, je voulais aller voir là-bas.
Gneu-gneu. Bah ouais, bah moi je pagnette pas en fait. Y'a Gertrude, oui, y'a Gertrude. J'ai Gertrude, les gars. J'ai Jamy aussi. T'as Jamy aussi, mais oui. On a vraiment pas de chance. C'est nul, New Leaf. Tu mériterais un ban, Jade, juste pour ce que tu viens de dire. Mais vu que je suis gentille, je vais pas te ban. Et dire que New Leaf est nul, c'est avoir mauvais goût, pour le coup. Et c'est pas une question de goût, là, c'est vraiment genre. Le jeu est vraiment bien, pour le coup. New Leaf n'est pas nul, c'est un très très bon jeu. Excellent jeu, c'est le meilleur jeu de la licence Animal Crossing. Bientôt t'auras C'est pas sorcier dans ta ville. Arrêtez, il va y avoir Sabine et tout. C'est un crime de dire ça, moi je suis bien d'accord. Là je joue sur la New 2DS XL. Y a pas de Jeanne dans le live? De Jeanne? Je sais pas, y a une Jeanne? Est-ce que Jeanne est là? Merci Link pour le follow. Vraiment pas, je pense que tu as un petit problème, Jade. C'est le meilleur jeu Animal Crossing, vraiment. Et c'est une meuf qui a joué à l'intégralité d'Animal Crossing qui te le dit. J'ai 4000 heures. 4500 heures de jeu sur New Horizon. 3000 heures de jeu sur New Leaf et je t'assure que New Leaf est mieux. Il est vraiment mieux. Merci Worm pour le follow. Jeanne, si tu nous entends, tape deux fois. Qui est Jeanne? Pourquoi tu cherches une Jeanne? C'est pas Jeanne, c'est Jade. C'est pas le même prénom. Entre Marie et... C'est comme si tu disais Marie et l'autre s'appelait Chloé, tu sais. Bon, ça commence pareil. C'est Ja. Je comprends que tu te trompes. Ok. Ça, t'es pardonné. T'es pardonné. Je suis sourde. C'est pas grave, Clac, je te pardonne. Jeanne, l'esprit de TikTok. Mais c'est même pas Jeanne, genre. Vraiment? Ça y est, Jeanne, tu t'appelles plus Jeanne, tu t'appelles Jeanne maintenant. Twitch a décidé ainsi. Désolée. Allez, on va t'éter. 5 jours, il nous faut. Oui, le chat Twitch, ils sont là en mode Jeanne est attendue à l'accueil, sauf que c'est pas Jeanne, c'est Jade, ton prénom, qui sont vraiment mal entendus. Ils sont tous là en mode Jeanne, 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 alors que non, il n'y a pas de Jeanne. Ah, purée. Jade, je te proclame Jeanne. La sentence est irrévocable. Ça, c'est pour avoir dit que New Leaf était nul, genre. Je suis abasourdie par tant d'imbécilité. De bêtises plutôt que d'imbécilité. New Leaf, c'est vraiment le meilleur jeu de la licence et je peux te le prouver par A plus B. T'as l'évolution des magasins, t'as la rue commerçante, t'as chacun des personnages qui a une utilité, contrairement à New Horizon où tu peux juste mettre des meubles au sol et du terraforming. Voilà. New Leaf explose à CNH sur le contenu, mais 10 fois, genre. Vraiment. C'est bizarre, en 10 minutes, il y a 3 de mes habitants qui viennent de me proposer de leur acheter des vêtements. Je pense que ça veut dire qu'il faut que tu leur fasses un relooking, Flo-Flo. Va acheter plein de fringues. Et amuse-toi. Dans SNL, il y a Reset. Bon, ça, par contre. Je suis pas sûre que ça rentre en compte. Oh, je poucave. Shema, elle a dit. Je te prie d'excuser le chat Twitch, Jade. Ils ne sont pas très intelligents, incapables d'écouter un pseudo correctement. Voilà, je poucave. J'ai tout pouki. Oh! Comment ça, Gabi, elle s'en va? Oh! Elle m'a même pas dit! Oh! Ciboulot! Salut, Ciboulot! Mais c'est génial! Me fait mal. Oh, j'ai mal à honte. Ça y est, je vais ouvrir mon club MDR. Ça, ça slay. Gabi est partie, genre. Mais Gabi, qui t'a dit de partir? Une pétition. Oh, c'est vrai qu'il faisait signer la pétition. Ça va, Voli?
Avant, au supermarché, je lisais dans les rayons en attendant que ma mère fasse les courses. Elle avait demandé à un caissier de m'appeler. Il m'a appelé Lali. Oh non ! Mais Lali, purée ! Faut le faire quand même ! Bon allez là, c'est boulot, on sait que tu veux des signatures. Il est long celui-là. Ici c'est mieux que Twitch, ouais ouais c'est ça ouais. Shame rapporteuse. Pas mal ça. Il est moche, c'est Ciboulot, il est... Il est original. Purée mais Gabi elle s'en va par contre, elle m'a même pas dit. Il y avait Gertrude la dernière fois, elle était là en mode oh tu sais je l'ai loupé, je me suis dit ah bah cool elle partira sûrement. Mais en fait c'est même pas ça. Je sais pas trop comment te le dire alors je te l'ai pas dit. Espèce de grognasse va. Ma voisine. Mais non je suis triste en vrai. Je l'aimais bien Gabi. Elle était mignonne et tout genre franchement. Oh, je suis un peu deg. Ça a poussé ici. Oh il y en a eu un mort. Deux morts. Trois morts. Bon, l'heure des sous a sonné. Merci Roxane pour ton follow. TikTok, vous êtes gentil, c'est pas comme Twitch. TikTok, ils sont très cool aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas tous les jours que je prends autant de plaisir à streamer sur TikTok. Il y a des jours où c'est vraiment une catastrophe et vraiment ça me donne pas du tout envie au point où j'arrête le live TikTok. Tellement genre des fois il y a des gamins qui viennent nous saouler. Mais dernièrement là franchement je passe des bons streams TikTok, ça fait plaisir. Ouais c'est ça Vilpa. Un prix parfait c'est 500 quand c'est ton fruit, 3000 c'est un... Ouais c'est pour ça Lolo je vais aller le vendre sur Akomon, sur la CIA. On va se faire des sous. Hâte d'avoir une forêt d'arbres morts par la suite, finalement. Slay la Cita. La Cia, s'il te plaît, tu mets un Y à la place du T. Comment on banne ici? Clique sur le pseudo, Voli. C'est ça. Bande de chenapans. Attendez, j'allume la console de la Cia. C'est un peu long. Voilà. Allez, on va ramasser le reste. Après, tu peux toujours vendre sur Akomon. Alors ça, par contre, pour le coup, je suis pas sûre de l'information. Merci, Miaou, pour ton follow. Clique sur le pseudo de Aku. Ouais, tu la mutes. Shema, tu vas prendre. Attention. Comment ça, on n'entend plus parler à Aksu? Salut, Kelly. Merci pour ton follow. Des deux versions sur une... non, en fait, pas. C'est un jeu DS. Mon drapeau, vraiment, c'est trop. Je vais vous montrer la ville, du coup. Merci, Louane. Chez moi, tu sais très bien comment ça va finir. Toujours, elle sait, en plus. Il y a la pétition, faut que je fasse signer, purée. Pas sûr non plus, vraiment pas sûr, quoi. On voit pas le petit cadre d'en bas. Comment ça? Si, il est sur le côté, il est en dessous de ma grosse tronche. Tu le vois pas? Il est quand même en dessous de ma grosse tronche. Vas-y, à toute bonne douche. Marie qui va t'engueuler en mode, il y a trop d'arbres, grognasse. Vraiment, Marie, be like, elle va faire ça dans 3 secondes. Avoir des ongles de sorcière, finalement, c'est pas plus mal, hein, ça fait stylé sur la déesse. C'est cool, non? Ouais, c'est les cerises oranges, ouais. Salut, Hello! Comment ça va? En fait, les fruits parfaits sont un petit peu différents du fruit classique. Genre là, ils sont... En soi, c'est un peu des cerises un peu pas mûres, quoi. Un peu moins mûres, elles sont encore un peu jaunes. Comment ça, de sorcière? Bah ouais, je suis une petite sorcière aujourd'hui, tu savais pas? Kelly, c'est New Leaf, sur 3DS. T'es pas une sorcière, Axo? Je comprends pas. Je pensais moi pourtant.
Les pêches dorées, ouais, elles sont belles. Les pommes, je trouve que les pommes, c'est vraiment le plus joli des fruits parfaits, par contre. Elles sont vraiment sublimes, je trouve. Mais il me manque un fruit, là. Ah, elle est là-bas. Les fruits parfaits, quand j'étais petite, je les mangeais. J'ai jamais pensé à les planter. Ah, c'est vrai? Ah, c'est dommage, en vrai. Les poires parfaites en or. Les poires parfaites, elles ressemblaient à quoi? Elles étaient jaunes? Les pommes, elles sont super belles. Les pommes... Ouais, en fait, c'est ça, on dirait des pommes d'amour, c'est vrai. On dirait des pommes d'amour, hein, clairement. Réelles, réelles. Les poires parfaites, elles sont moches. Les oranges parfaites. La gueule de l'orange, c'est une poire, le truc. Elles sont terribles, hein. Salut Sam, comment vas-tu? Ah bah oui, Yasmine. Je ne t'ai pas oublié, attention. Hop. J'ai l'orange en plus sur grenade, elle va être trop moche, ta truc. J'ai pas mal de paniers de fruits, là. En vrai, ça vaut cher, tout ça, non? Est-ce que j'en ai pas... Oh! Je suis tombée, genre. En mode, je suis empotée. Et il y en a encore là. Ma ville s'appelle Seiyoga. Merci, Sweetie, pour ton follow. J'en ai pas mal, en vrai, là, regardez. J'en ai quelques stacks. Je vais pouvoir aller... Ah, mais j'ai pas fait. Attendez, faut que j'aille faire ma carte de résident. Merci pour vos follow, merci beaucoup. Oh, ma dégaine. Je vais vous montrer ma... Je vais aller ouvrir. Oh, ma dégaine, c'est horrible. Ma ville. Ma toute première ville. Oh, Ciboulot. Salut, Cibouloche. Je vais l'ouvrir en multijoueur local. Inviter quelqu'un. Sans fil local. Carrément, tu l'as ramassé tellement tu trouves... Tu t'es ramassé tellement tu trouvais l'orange moche. Ça se fait pas de dire ça, Lolo. La supérette, eh oui. J'ai débloqué la supérette et le magasin de chaussures. Elle est superbe, cette photo. Au top, franchement. Sur iPhone, à ne pas avoir de match automatique sur Twitch ou pas? Ah, je sais pas. J'ai jamais fait attention, je t'avoue. Faudrait qu'on signe sa pétition, là, Cibouloche. Ok, ça y est, là, Lazare... Raconte sa vie, là. Non! Fanny! J'ai vraiment fait... Non! En mode Fanny, non! C'est too much. Ouais, j'avoue, Lolo, c'est vrai, elle sait bien. J'ai un problème avec la batterie de ma DS, ma 3DS classique. Je l'avais changée parce qu'elle allait exploser littéralement et depuis que je l'ai changée, elle fait que bugger, genre. J'étais dans le bleu, elle s'est éteinte. En mode plus de batterie. J'ai bougé la DS de ça à ça, elle était en rouge clignotante. Je l'ai remise, elle était bleue. Elle a un problème de batterie, ma console. Je sais pas comment... Comment je peux gérer ça, mis à part en changeant de nouveau. J'ai une 3DS classique. Qui est là. J'ai celle-ci en classique. J'ai une DS Lite rose qui est morte. Qui est... Enfin, elle n'est pas morte, elle marche encore, mais elle est vraiment défoncée. J'ai une DS Lite noire, j'ai une DSi blanche. J'ai une DS... Enfin, une 3DS XL version Animal Crossing. Et la dernière, c'est la New 2DS XL version Tomodachi Life. C'est pas le nez, c'est pas le nez, Lolo. En effet, tu t'es trompé. Bonjour à toi en tout cas. Allez, on va sur la CIA. Je vais vous faire visiter mon île. Enfin, mon île, ma ville de 3000 heures de jeu. Et encore, elle est cassée parce qu'il y a plein d'habitants qui sont partis, etc. Mais vous allez voir. J'espère que ça vous plaira. Il n'y a pas à bugger en fait, le jeu. Breu. Est-ce que vous pensez que c'est cassé quand je me mets en ligne? Oh non, je peux pas? Ah! Vous savez pourquoi? Parce que je me suis déconnectée d'internet.
Attendez. Bah vous avez le son. Faut que je refasse mais en ligne, attendez. Ah fait chier. Je pensais pas avoir besoin de faire ça. Salut Lati, comment ça va? Je suis désolée mais j'aime pas du tout quand vous commencez vos phrases par juste. Tu postes les vidéos sur YouTube? Oui. Attendez, je fais fin de session. J'aime pas du tout, je sais pas, c'est vraiment un truc de... Je trouve de commentaire TikTok ce mot pour commencer la phrase. Désolée, hein, mais j'aime pas du tout. Mais t'inquiète, y'a pas de soucis. Asana, je me monte au cerveau, mais franchement, Lati... Moi aussi un peu. Alors... Comment je me recours à internet sur cette DS, je sais même pas. Je sais même pas pourquoi ça m'a recoupé. Ah, c'est bon. On va retester en ligne, du coup, je sais pas, en fait, à tout moment, je peux juste pas, en fait, vous partager ça. Juste le blanc, ça me dit rien. Je t'invite à regarder mes vidéos sur YouTube, Yasmine. Inviter quelqu'un, j'ai fait des tutos de conseils déco, etc, etc. J'ai fait vraiment tout ce que je pouvais. Ouais, c'est ça, juste. C'est un prénom, juste, hein. On dirait pas, mais c'est un prénom. Ok, on teste via internet. Mon beau drapeau, là, il est horrible. Allez, quelque part. On refait. Vous pensez que ça va rebugger? Si je peux pas vous montrer, c'est trop dommage, en vrai. Mais oui, de fou, hello. En vrai, je suis un peu sad que ça ferme. Je suis un peu triste. Vas-y, ça marche, Gaël. Y a pas de soucis. Bonne soirée, à demain. Bon courage pour la douche, tout ça, le repas et tout. Ok, ça a l'air de fonctionner. Oh, c'est vrai qu'il y avait ça en bas, là. Tu peux faire ça. Hop. Bisous, bisous, ceux qui y vont. Putain, j'ai l'image, j'avais pas vu. Press on Nails, non. Merci Press on Nails pour les bracelets d'équipe. Et la rose. Ah ok, donc c'est vraiment en local ça coupe, du coup ça marche plus. Mais là ça fonctionne, vous allez pouvoir voir ma petite ville. La rose, mon vieux drapeau là, arrêtez, le jugez pas s'il vous plaît. Axou, pourquoi t'es sur TikTok en fait? C'est vrai ça? Merci Oné pour ton follow. Non, je prends pas les codes amis, je vais ajouter ce mot aussi au bloqué parce que j'ai pépé de répondre à cette question en boucle. Je prends pas, j'ai pas de place, genre. Vous vous rendez pas compte du nombre de personnes qui me demandent en fait, et si j'acceptais tout le monde, faudrait tout le temps que je fasse du tri. Ce serait pas vivable. Hop, on va faire ça comme ça, au moins le mot, vous saurez que vous pouvez pas l'utiliser si c'est bloqué, c'est que c'est pas voulu quoi. Hop là. Il y en a pas mal, hein, franchement, Carlé. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup. On voit rien, mais je vous fais une petite visite de ma ville. Ça, c'est ma toute première île. Ma première ville sur ACNL. C'est ma ville de cœur. Ici, il y a la maison de Cédric Ounet d'Amour, mon bébou. À côté de la mairie. Le drapeau de ma ville, c'est Cédric. Merci, Toupie, pour le sabot fer. Merci beaucoup. Le bambou de cheat. Pas du tout. Non. C'est vrai que j'avais hacké pour mettre des bambous, des palmiers où je voulais. Il y a des palmiers dans la ville alors que t'es pas censé en avoir. Il était beau ce pattern là, je l'aimais bien. C'est trop beau les palmiers. J'avais vraiment juste hack pour ça. Hein. C'était ce truc que je faisais, mettre des palmiers dans la ville et des bambous là où ça poussait pas. J'avais comblé les trous des trucs où ça poussait pas non plus. C'était ma maison, elle était trop belle. Avec mes petites taupières comme ça. Bon là il y avait un habitant qui a... Enfin il y avait plein d'habitants ici qui ont fait que des... Enfin que partir, que revenir. Oh c'était beau ça aussi, c'était l'abri météorologique je me rappelle. Elle était franchement trop belle, ma petite ville.
Et c'est vrai que j'avais mis de l'eau comme ça, je m'étais vraiment pas fait chier hein, pour le coup. J'ai des autres motifs à prendre, ils sont trop beaux. Faudrait que je refasse un personnage du coup sur ma ville. Je peux avoir le choix, je pense. Putain, je me suis mangée. Là, c'est la maison d'un autre de mes persos. J'avais mis des bambous dans la rivière et tout. Ça, c'est la maison d'un habitant. C'est le pire endroit pour mettre une maison. Hein. Quelle idée de merde, franchement, d'avoir foutu ma maison là-bas. C'était trop mimes, genre j'avais une petite fontaine et tout. Non, franchement, et en vrai, regardez, ma ville, elle est vraiment belle. Elle est incroyable, je trouve. Les petits bambous dans l'eau. Le ciel et tout. Non, mais franchement, je suis désolée, mais... Yarina, ouais, Yarina. C'est vraiment une trop, trop belle ville. Les cèdres et tout pareil, je suis pas censée pouvoir les mettre. Bon, ma petite place. J'ai changé les motifs récemment, je crois. Enfin, récemment. C'est un grand mot encore. Ici, j'avais ma petite boutique. J'avais un habitant qui habitait là. Et j'ai Cube. Mon petit loulou. Alors, de la place complètement nue. Il est à poil. J'ai plein de pêches parfaites. C'est vrai que j'avais des pêches. En fait, c'est pas les pommes, c'est les pêches, mes fruits de base. Les poires, pardon. J'ai un énorme arbre. Venez, on fait un petit moment nostalgie, les gars. Un gros moment nostalgie, même. Vous êtes prêts? Mon arbre, il est un peu tout nu. Go pleurer. Ouais, j'ai tout débloqué sur ce jeu-là. Ville de Lassia. Mer Océane. Faut bien lire en bas parce que vous verrez pas. Résident, Eika, Li Wei, Avril, Cédric, Cube, Suzy, Rina, Melba, Olympe, Naomi, que des habitants de foufou finalement. Historique de Lassia. 22 juin 2013, Océane devient mer. Ça fait 10 ans. 26 juin 2013, inauguration de l'espace de jardinage. Inauguration de l'Institut de rêve le 30 juin 2013. Inauguration du magasin à l'aise chaussures le 30 juin également. J'ai beaucoup time travel. 1er juillet, inauguration de la supérette. Le 4, inauguration du club MDR. Le 8, inauguration de l'esthéticien. Le 11, inauguration du premier étage du musée. Le 12 juillet, inauguration de la super Méli-Mélo. Inauguration du perchoir le 24. Le 26 juillet, inauguration du poste de police. 2013, les gars, c'était il y a 11 ans. Il y a 12 ans et demi. 10 ans et demi, ça. Eika, ouais. C'était la référence à Eika Village. J'avais bien aimé le nom. J'ai fini le... Dites-vous que j'ai fini le jeu depuis le 30 septembre 2013. Ah non, j'ai rien dit. 2014. Inauguration du cabinet de voyance. 2015, Cube au ménage. 2016, Naomi au ménage. Cédric au ménage. En 2016, il est arrivé tard. Hein. Suzy, elle a emménagé deux fois. Elle a emménagé à la fois le 22 août et le 24 août. Elle a emménagé deux fois. Pas comment c'est possible. À la fin, ouais, Astrid, je l'ai eu plus tard, c'est vrai, c'est ça. 2024, Rina emménage. Hier. Putain, tout gâché. Elle a tout gâché. Putain. Allez, on va aller vendre nos trucs là. On vient pour vendre de base. J'aimais trop cette partie. C'était vraiment ma chouchoute, genre. C'est lequel ton magasin préféré? Franchement, je saurais même pas trop. C'est quoi comme objet là? J'ai un truc rococo. Ah, fallait que je récupère ma baignoire, purée, c'est un truc qu'il faut que je récupère depuis genre 3 ans. Je viens te vendre ça. Stop de se vautrer, vraiment. Vous pensez que j'en ai pour combien? What the fuck? Pourquoi c'est ça? Mais ma DS elle est rouge. Mais j'ai débranché mon chargeur, je suis vraiment une imbécile moi. Pourquoi j'ai ça là? J'ai une grosse trace de... On dirait de la suie. Oh, 200 000 clochettes. De fruits parfaits.
Il est vraiment trop simple de se faire des sous. Hein. J'arrive pas à me faire des sous, franchement. Pitié, quoi. Vive la moula. Je l'ai dégueulassé, ma DS, là. J'avais une petite particule noire sur le doigt et j'ai tout étalé sur les boutons. Je sais pas ce que c'est, ça doit être de la suie de bougie, mais pourquoi j'aurais ça, là? Le cube qui m'attend comme ça. J'avais refait ma carte. En panneau. Ça farme, hein. Ça forme bien, hein. Non, je préfère vraiment le dans la rue, carrément, hein. Vraiment, c'est mieux, je trouve. Mon petit dégradé de tulipe, là, trop beau. Oh. Greta, mais c'est une vaste blague ou quoi, ça? Suzy, quand elle s'est installée là, elle a fait chier tout le monde. Mon petit moulin ici. Avant, j'avais inversé. Je les ai inversés avec le hack, le moulin et le camping. Le camping était à la place du moulin, il fut un temps. Jean de Tulip dont je te parlais. Mais oui, Mariana, c'est lui. Là, j'avais fait des petites boutiques, je crois, dans les maisons. Ah non, j'avais plus fait. Ah si, c'était un petit restaurant, mais. Je sais plus ce que j'avais fait. Ah, XNL, je connais pas ce jeu. La collection négligée. C'est la maison de Li Wei, je crois. Ou de Eika, je sais plus. Merci Fiofio pour le follow. Les horizons, ils ont pas fait de galerie, mais vraiment, il y a trop de trucs de dommages. Vraiment trop de trucs. Souvent dans tous les opus, c'est à mon avis, mais ce côté comme personnage, c'est une prédiction. Arrêter de tomber, juste accessoire spécial. Ouais, en vrai, franchement, Astrid, elle est bien. Merci Tina pour ton follow. Salut Batou. Et re, Tess. Re. La boîte de lettres, par contre. Quand je jouais à 7h, c'est une cata. Hein. Mais oui, Batou, c'est vrai. Ça, c'était fou. Ça. Merci pour le follow. Je sais pas du tout c'est quoi comme pseudo parce que je vois un caribou. Enfin, un carré barré, genre. Mais merci pour le follow. Enfin, bref, voilà. Est-ce que vous... En fait, j'ai peur de secouer les arbres et qu'au final, ce soit... Ils se dépiotent, genre. Rien ne tombe sur les motifs ? Ah bah dans ce cas ça dégage alors. J'avais oublié. Je pense, je sais pas pourquoi j'avais, ça m'était sorti de la tête quoi. La masse d'arbres morts, vraiment Lolo. Moudin. Révélation, bah je me rappelais plus franchement honnêtement. Moi ouais, je te jure, bah tout c'était vraiment bien. Putain de temps. Allez, retour à ces yogas. 200 000 en poche. Je me souvenais plus du tout non plus. Et moi non plus, je sais pas pourquoi, je m'étais persuadée que c'était ok, tu vois. Mais même pas. C'est un peu triste. Je me disais, les motifs dans le jeu, ils étaient chiants. Mais ouais. Je te vois planter des feuilles, là. Il fallait que je rembourse un peu mon prix. On va aller rembourser la fin de mon prix. N'empêche, le temps de chargement était si rapide sur ASNL comparé à SANH, alors qu'à l'époque, sur ASNL, je trouvais ça long. Ouais, vraiment pareil. Maintenant, je trouve ça très rapide. Au moins, c'était gratuit. Oui, c'est pas faux. Alors, épongez ma dette. J'ai payé mon étage. Par contre, ils sont pas chers les prêts sur ce jeu-là, je trouve. Ils sont pas chers, je crois. Ouais, Tess, demain, je live à 14h.
Onctus singe, oui, c'est vrai. Ouais, c'est New Leaf Berry, c'est ça. L'arbre, quand on s'assoit pour voir le nombre de personnes et tous les projets. Oui, ça, on l'a fait juste avant que t'arrives. Ok, on va en parler, Tom Nook, donne-moi des trucs. Alors, je pensais faire un truc un peu féerique sur cette île-ci. Parce que mon île principale, c'était une île sur le thème japonais. Elisabeth, je peux pleurer. Et Lionel, je peux vomir à l'aide. La remise secrète. Une nouvelle pièce, je voudrais. Merci, Berry, pour ton follow. Ça me donne envie d'y jouer, mais franchement, prends la console et let's go. Hein. On fait quoi? On fait la remise secrète? Mais j'ai tellement de trucs, en fait, à faire, là. La remise, c'est combien? Ok, ça va. Vas-y, top, là, on fait ça. Ah, salut Yannick, mais il est incroyable ce jeu. Vraiment, vraiment, c'est une folie. J'aime ce jeu d'amour. Il est vraiment trop bien. Salut Méli. J'ai 5 kills. Sur ce jeu-là ou sur New Horizon? Sur celui-là, non? Moi, j'en ai 2. J'ai que 2 cartouches. Ok, alors, il faudrait qu'on aille chercher, je vous baille dessus, des pétitions. Des gens pour la pétition. Oh, ça y est, il y a la coiffure qui augmente. J'ai tous les bâtiments de ce côté. Oh, c'est quoi ces meubles là? Un porte-sel. Mais qui met ça chez soi? Oh, let's go, j'ai Cédric dans mes habitants de base. Oh, dans la chance, Morgane, je suis jalouse. Je suis jalouse, moi j'avais vraiment des moches. Après, c'est bon, je l'ai aussi, Cédric, mais. J'avais vraiment des habitants pas beaux quoi. Dans sa nage, ça me manque trop de pas. Avoir plein de bâtiments, de boutiques différentes. Non, mais je suis d'accord. Et merci, Perry, pour le follow sur Twitch. Merci beaucoup. Si tu veux aller chez le coiffeur pour débloquer des souvenirs, STP. J'ai pas encore le coiffeur. Quand on aura tété, si tu veux, ouais. On ira faire un petit tour, même si je veux refaire la même coupe que je vais faire là. Ah, moi, je vais faire les couettes, peut-être, en vrai. Ce sera plus sympa. Et on pouvait commander des meubles. Ah ouais, je me rappelais pas trop. Ah si, je m'en rappelle maintenant. Je peux commander des outils? Ah non, c'est ça. Je fais grand chose en meuble, hein. C'est pour apprendre à rider, certainement. Ah, je suis pas sûre. Le mégaphone. J'ai toujours pas de lance-pierre. Ça me saoule. Ça me saoule. Elisabeth, quelle aille en enfer! Dit comme ça, c'est mignon. T'as pas pensé que tu pouvais tricher? Ah, oui, oui, oui. Ok, j'ai une hache. Let's go. On va récupérer tout ça. Ah, hello. Merci encore à Toupie pour le sub offert. Ah, mais let's go, Tess. Après, pourquoi attendre ce soir quand on peut faire ça maintenant? Je suis désolée, je vous baille dessus. 400 clous. Allez, on récupère toutes les haches, il va en avoir besoin. Est-ce qu'on commence à placer les motifs? Franchement, je suis chaud. J'ai peur rien qu'à voir l'état des îles là-bas, ça. Ah, je suis contente en vrai, ça y est, ça commence bien là. Je suis allée chercher le lance-pierre sur Sakura. Purée, t'es vraiment un raton, toi. Hein. Ça, c'est Mims. Je pourrais peut-être les mettre. Les paires de babies. Oh, moi, je pourrais même les mettre là, non? J'essaye vite fait, ça avec la casquette, un peu. Ouais, c'est un peu moche. Oublions, en fait. Je vais juste le prendre, mais... On va commencer un peu les motifs, là. On va essayer. Et par contre, je vais mettre ça. Ça va aller avec le t-shirt. Simple et tendance, ouais, nous on est tendance ici. Moi je suis quelqu'un de super tendance. Ah ouais, je suis super tendance. Casquette à l'envers en mode ouais, en tout cas je mettais tout le temps cette casquette. C'était vraiment ma casquette du jeu, genre c'était écrit Kohaen dessus, genre. Je la mettais tout le temps. Je la lâchais pas d'une seule semaine. J'espère avoir un chapeau qui aille mieux que cette casquette avec cette tenue. Parce que j'adore cette tenue, mais le chapeau. Hmm.
Voilà. On a trouvé, hein. Relali. Petit casque en papier, là. Mais ça, on l'a comment, le casque en papier, déjà? Je sais même pas comment on l'a. Les grosses tongs, tu les veux? La mexicaine, ça... Ah ouais, putain, ça rime de fou. Je savais pas. Vas-y, teste, dis-moi. J'ai pas envie de descendre de mon lit. J'suis... Ok, je compatis. Je compatis, je compatis. Ça fait plaisir, en tout cas, de voir ça. Il est vendu normal. Ah ouais? C'est pas que les Japonais qui pouvaient l'avoir, le casque en papier. Bah, moi, pour moi, si. Ça, c'était un peu chiant, par contre. À l'époque, j'allais sur les ailes pour trouver les hackers pour l'avoir. Ah ouais, espèce d'aqueuse. Sale aqueuse. Aqueuse. Ouais, je crois que c'était que les Japonais. Tous les Français étaient là, ah, il me le faut trop et tout. Ça, c'était trop chiant qu'on n'avait pas la même chose. Genre, on n'avait pas le droit aux mêmes objets. C'était un peu chiant, en vrai. Maintenant que j'y repense. Ça, je veux pas les garder, en fait. Pourquoi, je sais pas pourquoi je fais ça, mais... J'ai 4 haches. C'était pas ça que je voulais mettre. Je me suis trompée. J'ai vu une feuille, je l'ai mis, mais c'était pas du tout ça que je voulais faire. Ouais, Varache. Ça y est, on commence à mettre les motifs. J'ai pas cette place. Je vais aller vendre des trucs. Il va falloir qu'on trouve comment on va se mettre pour les, enfin pour les motifs et tout. Je sais pas comment on va faire. Je prévisualise déjà un petit peu où on va les placer, mais j'ai un doute. Est-ce qu'il y a une appli où on peut trouver les motifs sans le online? Non, tu peux pas. Les motifs, c'est que des créateurs qui les ont fait et qui les partagent via le online. Tu peux pas trouver quelqu'un qui l'ait fait sans le online. Ça n'existe pas, ça, malheureusement. Non, l'autre pomme, on a dit qu'on le gardait. Ma pétition, faut pas que je l'oublie. Oh non, Eulali. Undout. Oui, ouais, tu peux pas, tu peux pas. C'est dommage en vrai, mais bon. C'est vrai que pour ça, pour le online, après t'as les semaines gratuites, Tess. Hein. Faut pas que t'oublies que t'as des fois des semaines gratuites, prends-les. Hein. Elles sont gratuites. Crache pas dessus. Alors. On va remonter. Il va me falloir plusieurs personnages pour ce. Pour ce jeu-là, parce que sinon on va jamais réussir à faire un truc potable. Là, déjà, ça me plaît pas. Oh, ce bruit. Je l'avais oublié de mon cerveau. Alors. Là, le coin, il passe trop bien. Ça fait un peu un angle bien fait, là. J'ai vu pas mal de trucs en fait et je me suis dit mais pourquoi on fait pas... Enfin, j'ai réfléchi pour les motifs et en fait je me suis dit mais pourquoi on n'a jamais fait ça sur ACNH, enfin sur ACNL genre. Il y a des trucs, je comprends pas pourquoi on a été aussi bête de pas les faire. Genre là il faudrait un chemin ici. Le motif sur Pinterest celui-ci. C'était ça qui était long pour les motifs, c'était fallait les placer un par un comme ça. Ça c'était super long. Mmh.
J'aime pas placer les motifs sur les pavés devant la gare, je préfère le laisser naturel. Arrête Lolo, tu vas me faire douter après. Lolo, arrête, tu me fais douter. Et... devant la mairie. Ouais, je te jure, pisté, j'ai un giga quartier là. Au quartier. J'ai un maxi quartier en vrai, c'est un peu drôle. Alors là, faut que je mette les trucs centraux. J'ai pas fait le meilleur choix. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, milieu. Coucou Dribouche, comment est-ce-t'a? Chatine, c'est le graphisme. Ah oui, bah ça, c'est sûr, ça change d'ACNL, hein. Enfin d'ACNH. Ça n'a rien à voir pour le coup. Ça, c'est vrai que c'est bien changeant, quoi. Bon app Lolo, à tout à l'heure. On refera des contours et tout au chemin, je pense, mais... quand on aura les rivières. Ah merde, attendez, j'ai fait Naples, là. Je pensais que je pouvais mettre un truc, mais non, en fait, là, faut que je mette les bords. Merci pour le follow, la chaussette. T'es pas ma femme pour rien, toi, ma femme. Mais c'est moi où elle me drague. Mais les motifs de New Horizon sont quand même plus jolis, je trouve. En fait, il y a du transparent que t'as pas ici. C'est un peu dommage. Ça va, ma femme. T'es pas ma femme pour rien, encore une fois, je leur dis. Mais au cas où t'oublies, t'es vraiment pas ma femme pour rien. Ma femme, t'avais joué à CNL ou pas? Je me rappelle plus. Je sais plus si on avait déjà discuté de ce sujet ou pas, en fait, j'ai un doute. Oui, ma femme, j'ai joué. Super, ma femme. T'es vraiment pas ma femme pour rien. Parce que là, je passe sur du 3. Ça va descendre en 3 ici aussi. Bah, je peux pas, là. Il va y avoir un problème ici. Oui, j'agrandis en 4. Sinon, on descend en 2. Ça va faire bizarre, non? En fait, faut tout calculer. C'était ça qui était super long dans ce jeu, c'est que tu calcules tout, genre. Tellement rapide pour les fleurs. Bah ouais, tu trouves? Là, c'est ça. En face, ça va être ça. Fois 3. Là, ça va être celui-là. À côté, celui-là. Et là, on va se mettre le petit bord ici. De les enlever. Ah oui, ouais, bah oui. C'est sûr que c'est la meilleure chose. Et de se rétamer aussi, apparemment. Alors. Ah. Oui, Fanny. Elle va me dire qu'elle va y aller. Ah. Ok, bah on y va, hein. Elle habite où, Fanny, déjà? Ok, tout en haut. C'est un peu chiant, les maisons, là. Je vais mettre un chemin. Alors, je vais descendre. À la fois ici, à la fois par là. Tac, je vais relier les chemins ici, en dessous. Et on ira jusqu'à là. Et on fera la mairie aussi. Et la mairie, on la fera aller tout par là. Donc ça va être des chemins qui vont se séparer en pas mal de morceaux, mais ça va être pratique. J'ai des ongles saluants. J'ai des ongles saluants, ma femme. Enfin, ma femme, on fait les ongles le même jour. Trop ma femme. T'es vraiment pas ma femme pour rien. Putain, allez là. J'ai pas le temps. Mais elles sont bien placées, ça va, ouais. Super. Ah ouais, j'avoue, Malia.
Je vais sauvegarder, Maya, t'as raison. On fait une petite sauvegarde. Important la sauvegarde, à chaque fois on se loupe. Salut Loulou, comment ça va? Nutella, oh non, Tess, c'est vrai? Fais juste une petite sauvegarde. Le masque de Pharaon. Oui, c'est vrai, Tess, maintenant il nous faut le masque de Pharaon pour tomber, sinon on tombe pas. Ma femme, t'es dragante. Elle me drague tous les jours, ma femme. Je sais pas comment je dois vivre alors que ma femme me drague tous les jours. Comment je suis censée faire pour vivre? Non, je vais pas le porter, vraiment pas. Ce qui est bien, c'est bon, comme pour New Horizon, vous me direz, mais que là, du coup, bah, dès que t'en as marre de tes motifs, tu les changes, tu les remplaces, ça les efface, ça les change. C'est pratique. Je vais chercher des haches. Ça va commencer. J'entretiens notre relation amoureuse. Tu as bien dit, tu as bien dit, tu as bien fait, ma femme. Tu fais bien. Ouais, il y a les sauvegardes automatiques en vrai. Donc ça, c'est même mieux. Donc, dans 3 ans. Allez, Mariana, une petite pause s'impose, là, non? J'avais pas d'objet dans les mains. Tu sais, il manquerait plus qu'il y ait des bêtes, là, qui viennent m'attaquer. Donc, c'est celui-là. Là, je t'ai mathématique, là, vraiment. Petite pause, Mariana. Je révise mes partiels de maths. Des partiels de maths, ça vous donne pas envie de pleurer ça, d'entendre juste ça? Moi, franchement, si. Vomir même, ah ouais, non mais vraiment. Qui aime bien les partiels? Sérieux, personne veut faire des partiels. Bon courage en tout cas pour la révision. Juste le mot partiel suffit. Avec des maths en plus, au secours. Vraiment, les maths, quoi. Quand même, quand même. J'aimerais bien, vous savez, avoir des... Alors là, c'est vraiment le début, hein. Ça va pas rester comme ça parce que c'est trop simple. Mais j'aimerais bien, vous savez, mettre des petites... Enfin, avec le deuxième personnage, du coup, j'ai un motif d'eau qui est prévu. J'aime beaucoup les motifs d'eau. J'ai des motifs de... d'herbe prévus avec des petites fleurs et tout. Des petits motifs de briques aussi, enfin de dalles. Ça sera Slay, je pense. Mariana, tu veux pas qu'on aille boire un litre de Sex on the Beach Cabana? On the Cabana, Sex on the Cabana. Ça va, oui, ma femme. Tu essayes de me tromper avec Mariana, c'est ce que j'entends? C'est ce que vous aviez bu à Paris, ça? Mariana, Mariana. Non, ma femme, ouais, ma gamme. Ma gamme, elle a dit. Je suis pas ta gamme en fait. Je suis ta femme. Nuance. J'essaie d'être bourrée. J'essaye d'être bourrée avec elle. Comment ça t'essayes d'être bourrée avec Mariana? C'est louche un peu. C'est très louche, dit comme ça. C'est super louche, ma femme. Ah mais non, faudrait... Non, quoique. Mais non, le motif il passera pas là. Faut que je colle à la rivière en fait, mon chemin. Se rétamer par terre encore une fois, non. On a dit non. N-O-N. Bisous Maëvou, bonne soirée. Merci d'être passé en tout cas. Des bisous, amuse-toi bien. Non, c'est pas ce motif, c'est celui-là. À droite, gauche. Je peux mettre des motifs là? Ça va être bizarre, non? Mais les motifs ils sortent! Ça fait chelou ou pas? Non, en vrai ça va. Quelle idée de merde!
Tombe pas de moi. Ma femme, je vais tomber de toi surtout, oui. Plutôt. Je préférerais. On dirait que le chemin, il tombe à l'eau. Il tombe à l'eau. Ça va, non? Ça fait une petite balade au bord de la rivière. Non? Moi, j'aime bien. Je suis tombée de toi. Purée, c'était Mario Kart, ça. Non? Je sais plus trop. Non, ma femme. C'était à Paris. Ah, peut-être. Ah merde, c'est les deux là, donc c'est pas le bon là. Je me suis trompée. Oh, je suis tout beau de mon outré. On va refaire le placement. Je vais me préparer pour la danse. Ah oui, c'est vrai que t'as la danse ce soir, ma femme. Eh ben écoute, ma femme, je te souhaite une bonne danse, hein. Gigote bien. En ce beau jour de gigotage. Aberrant, ce genre de motif qui se met là-bas, mais bon, bref. Vous dansez sur quoi, là? Voli, tu veux Vogue ou pas? Pendant que je mets mes motifs, comme ça, on s'occupe un peu. Parce que j'ai l'impression de pas réussir à vous lire en même temps que je mets mes motifs, parce qu'il faut que je me concentre sur quel truc j'appuie. Danse de cabaret, stylé, ça. Enfin, tu vas danser. Voli, grosse star. Mais vraiment, Voli, c'est une maxi star en fait. Je lui demande de venir, comme ça on sera deux fois plus laid. Je me fais à manger, mais je peux animer si tu veux. Tu veux animer pendant que tu fais à manger? Ou après? Comme tu veux, moi je te suis. Voli, c'est un loser. Je supprime ton message. Ah, j'ai pas réussi. Je fais à manger, je peux animer si tu veux. Vas-y, mais du coup, c'est bon. Mais écoute. Tu viens quand tu veux venir, mon ami. En mode échevesse, vas-y, vas-y, vas-y. Voli cuistot, quoi. Je mets mes petits motifs. C'est super long de mettre les motifs à chaque fois. Je suis sur mon téléphone, le micro va pas être zinzin. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu penses que Etchebest il a un bon micro? Je suis pas sûre. Oui, bonsoir. Waouh, salut le chef Volibroom. Salut, bonsoir le chat. J'ai pas le chat sous les yeux du coup. Voilà. Super, Voli m'abandonne avant l'heure. Coucou Nefert, tu veux nous rejoindre? Rejoins-nous Nefert, viens faire à manger avec nous. Viens Nefert. Elle allait m'envoyer un message, on dirait Vovok. Oh, le micro est trop bizarre, je viens de m'entendre. Je viens de m'entendre. Oui, j'arrive, oh, super. Bah regardez, c'est beau. Hein. Ok, parfait. Alors ce soir, c'est frites au four avec un cordon bleu. Et merci pour le sub. Ah, le ah c'est l'heure d'enfourner. Merci Final Cut pour ton sixième mois. Ouais, les copains. Comment salut ça va Nefert. Merci beaucoup. Comment ça va, Nefert? Ça va et oh, il fait chaud. Mais Voli, mais ça y est, là, on est vraiment en vlog cuisine, ça me termine. Exactement, la hey, Nefert, t'avais joué à New Leaf, toi? Et oui, je l'ai sur ma DS. C'est vrai? Oh my god. Oui. Ça te donne pas envie de relancer le jeu, là? Si, mais le problème, c'est que j'ai les ongles trop longs pour jouer sur ma DS. Mais je suis vraiment en galère, là. J'ai refait mes ongles tout à l'heure. Du coup, c'est vraiment dur, tu bloques, c'est trop chaud. Ouais, je vois. Mais c'est ça, genre trop chiant aussi avec le clavier d'avoir les ongles trop longs. Non, mais c'est insupportable, j'ai écrit n'importe quoi tout à l'heure, Voli. Moi, j'ai l'habitude. Quand j'ai écrit le titre du live tout à l'heure, je l'ai refait trois fois. Il y a une fille de ma classe qui a refait ses ongles, et genre, je la voyais taper sur le clavier de son Mac, elle tapait avec les ongles parce que c'était trop long. Mais c'est galère, des fois. Et Chebest n'a qu'à bien se tenir, bah franchement grave. Hein. Là c'est chez Cédric, sa petite maison là. Minuscule maison, bibou. Je parle pas de Voli, s'il te plaît. Merci. Hein? Nefert? Quoi? Je sais pas, j'ai entendu bébou. Mais non. À parler de Cédric. Cédric ou bébou, Voli, tu comprends?
Bah, moi, il y a mon bébou qui me regarde et il a faim, là. Alors, bah, oui, j'ai faim, comment tu sais? Comment ça, tu me regardes, Nico? Ouais. En vrai, Nico, par contre, pour l'écran tactile, c'est pratique. Hein. Limite, là, je peux poser avec les motifs avec mes ongles. Ah, ça, mais, oui. Merde, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi personne m'a dit que je m'étais trompé de motif là? Il y a un problème ici. Le chat, il fait pas d'effort. Il y a un gros truc qui est pas au bon endroit. Bah, super, ça, c'est pas trop galère à poser les sols là. En, vrai. C'est... en fait, c'est super long, c'est surtout ça qui est chiant. Ouais, tu dois faire une étape par étape. Oh, trop ouais, chiant. Tu fais morceau par morceau. En vrai, ça va vite parce que la carte est pas super grande, tu vois, mais. Ouais. C'est quand même assez. C'est relou quoi. Ouais, vraiment. Elle est petite la map de New Leaf? Quoi? Elle est plus petite que sur New Horizon, ouais. Ok. Ouais, plus petite. Heureusement. Ouais, parce que. Parce que moi ouais, je l'avais trouvée grande la map de New Horizon par rapport à non, genre mais, Wild World. Là, il a son téléphone dans son cul. Mais c'est parce que vous voyez, il est dans sa cuisine, il est tel. Mais je suis. C'est le micro des AirPods. Encore pire que ce que je pensais. Non, mais bon. Merci pour le follow, Kitty. J'avais compris pourquoi on peut pas mettre de pattern devant les maisons, mais moi non plus en vrai, c'est vachement chiant, je trouve. Vous êtes des... Genre là, pareil, en plus, sur SNH, tu peux quoi. Mais oui, en plus, enfin je comprends pas pourquoi sur New Leaf on peut pas, ça doit être un truc par rapport à la porte, genre la hitbox de la porte et. Ouais. Je sais pas pourquoi. Peut-être que sur ADS il le permet. Attendez, je fais mes lasagnes. Oh, tu fais des lasagnes. Tu fais des lasagnes et même pas tu me dis que tu vas m'en donner, genre t'es sérieuse. Je te jure. C'est mon plat préféré, les lasagnes. C'est trop bon, des lasagnes faites maison. Faites par Nefertz, ce qui est plus est, c'est encore meilleur. Ah, de ouf. Tout ce qui touche à Nefertz, moi, ça me régale. Quoi? Allô? J'ai cru qu'il y a un... Je crois qu'il y a un... Allô? Je crois qu'il y a un... Bizarre. Un peu chelou. Ah. Ça devient un stream cuisine, mais bien sûr. Tous les jours, ici, c'est des stream cuisine. Qu'est-ce que je vais me faire à manger? Parce qu'il est déjà bientôt l'heure de manger quand même. Tu vas faire des pâtes? Ceci est c'est une bonne idée. C'est pas mal les pâtes. C'est rapide, efficace. T'as des lasagnes genre chez toi? Moi j'en achète jamais. Bah le clair. Purée, faut, je pense jamais acheter des lasagnes. Genre j'ai vraiment plein de pâtes. Mais pas de lasagnes. Ça ah ouais, c'est bah, en vrai, pas cher. Hop, après tu peux faire genre, repas. Tu fais des lasagnes avec des pâtes. Hein, des pâtes type... tortille hein? Ou des coquillettes, tu mets des couches de coquillettes. Oh non, tu mets ta sauce. Oh la gueule de ta lasagne. Vraiment, vraiment. C'est plus des lasagnes après. C'est lasagne des coquillettes tasagne. Ouais, oh, t'as de l'inspi toi. Ouais, grave. T'aimes pas quand j'ai de l'inspi? Moi aussi, j'adore. Elle où la pince? Voli, Dolly et moi, on t'invite à notre bourrage de gueule. Avec plaisir. C'est où, quand, comment, pourquoi, dans quel but? Je sais pas, mais j'ai vu que les deux avaient parlé de se bourrer la gueule. J'étais là en mode sans moi, et du coup, j'ai été incrusté dans le projet. Sans moi! De toute façon, Voli, nous, ça sera ici. Dans la boîte. Je suis dans la boîte. Bourré dans la boîte. Vraiment. Tous les jours ça parle de manger, mais tous les jours on parle de nourriture, c'est intéressant la nourriture. En même temps c'est un peu vital quoi. Puis c'est l'heure hein, 19h30. Ouais, ouais c'est l'heure parfaite pour manger je trouve, 19h30. Putain, attends, est-ce que j'ai TikTok? Oui c'est bon, j'ai eu peur. Merci A pour ton follow, le drapeau de la il fallait encore en stream sur TikTok genre. Putain, le stream en live. Oh my god. La chance stream, que vous avez. Stream live de Cohen où on parle de cuisine. Mais ça, tu sais que premier degré, à chaque fois que je finis mes lives, j'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui est resté ouvert genre TikTok. J'ai moi je ferme peur. Tout. Je ferme tout. Bah, je pars, ah, mais je suis en mode. Quand on balançait des dingueries là, que t'étais là, est-ce que j'ai que TikTok? Oui. J'ai trop peur. Ça m'est arrivé une fois de pas que de TikTok, genre, mais on voyait plus ni rien, mais il y avait le son, mais heureusement je faisais pas de bruit, mais oh je suis restée ouais, comme ça pendant genre 3 minutes, c'était long. Oui. Les gens étaient partis mais parce que du coup le live était pas... fini. C'est pas fou, mais... oui. C'était fait ban parce que justement elle avait pas éteint. Elle avait pas ah, été ban. Je de sais TikTok, plus. Il y a un moment, si, et qu'il y avait avec écran noir et du coup elle s'est fait ban. Ça je sais me parle plus, mais je me rappelle de Dolly qui avait pas que son live. Oh non, angoisse. Vous savez qu'elle était allée sur... qu'elle m'a envoyé un snap en mode Dolly, cut ton live. Peut-être. Tu vois, ça me angoisse. Oh purée. Nous, en général, à chaque fois, on est toujours en vogue, donc bon. Je suis en train de réfléchir à un emplacement de fontaine, en fait, ici. Ce serait pas bête de penser tout de suite à ça. Ouais. Je pense qu'on peut faire un chemin qui va contourner. Bourré dans le club. Tu es dans la boîte. Oh my god, je viens de voir un truc. Oh my god. T'as vu quoi, Nefertz? T'as vu.
Je vous partagerai dans le groupe parce que c'est pas joyeux. Oh non. Nous, on veut si vous voulez avoir un truc joyeux, regardez dans le groupe. Je suis choquée. Je vais même pas vous. Oh, il y a trop de. C'est ouais. 3 par 3 la fontaine, oui. Non? Ça va, Sana et toi? Merde. Ah, elle est vulgaire. Pardon. Pardonnez-moi. Pardon. C'est intéressant en vrai de penser directement à l'emplacement de la fontaine, c'est pas bête, je pense. On fait tout bon, ça, genre les fontaines maintenant. Devant la mairie, quoi. C'est pas l'endroit où tu t'assois et tu pries. Ah non, c'est devant l'arbre. C'est toi. Pas du tout ce que j'ai fait. Non, tu pries, personne ne prie. Bah, je sais pas, t'es en mode. En mode Jésus Tortimer là. Jésus Tortimer. Je sais pas, t'es en train de. T'es assis devant l'arbre ou je sais pas quoi. Je sais pas, j'ai jamais joué au jeu. Jésus Tortimer, c'est toi Jésus Tortimer là. Oh, attention. Mais je suis perturbé, il y a un spectateur qui me regarde boulot. Avec ses gros yeux là. Voli, tais-toi. Laisse Willow. Il me regarde. Voli. Voli. Vous gâchez les nunuches. Oh, c'est pas bien grave. Oh, aussi, c'est très grave. Grave, bon. C'est la chose la plus grave que vous avez jamais fait de votre vie, mais bref. Oh, je suis choquée. On voit que vous considérez les nunuches par ici. Pas ouf les blasphèmes, vraiment pas. Hein. Tortimer Jésus, là, on est où? Mais non, mais c'est que... Tortimer que... Jésus. Mais oui, je comprends pas. J'imagine la chose. Pourquoi? Je sais pas, vous chantez tout trop bien, et en fait, genre, il y a eu un mauvais truc qualité son et tout, et donc du coup, ça rend le son pas ouf. Wow, c'est alors bien, que vous avez fait une très belle voix. J'ai rien compris à la discussion qui vient de se passer. Cédric, tu vas te prendre un arbre, attention à toi. Bon Cédric, petit oh, dégage. Mais le R. Hein. Bah alors, le C. Le C. Allez, tu sais ce que ça mérite. Tu sais ce que ça mérite. Ça mérite quoi? Pour la peine, voilà. Bien ah fait, ça, bien dit, bien dit. Tu sais, la dernière fois, quand on était en vlog avec Nef, et dès que tu ratais tes trucs, on était là. Nef vite on était les non, bande d'enfoirés, vous êtes horrible. Oui. Et nous, on était là, vas-y. Vraiment. Je sais pas comment je vais mettre les trucs devant. Ayez pas des amis de la sorte, hein, parce que franchement. Ah, on rigole trop. Oui. Oh, et après, qui a dit qu'on était amis? Oui, t'es pas mon ami. Ah, tu parles à Voli, j'ai eu peur. Oui, pas toi. Pas JTM. Mais Voli, voilà quoi. Mais regardez, ils veulent tout le temps me parler. Mais Tortille Jésus Marie Joseph. Oh non, c'est créé quelque chose de mauvais. Quoi qui est mauvais aussi. Est-ce que je relis ici ou est-ce que je... Ouais, j'ai pas. Dans tous les cas, j'ai pas le choix. Sinon, faut que je fasse un angle bizarre. On va relier, hein, écoutez. On va faire tac. Et que je crois que sur Nulli, j'ai jamais décoré, je crois, ma c'est vrai? Pareil. Ouais. Tais-toi, Voli, t'aimes pas le jeu. J'ai jamais joué, moi. Je crois que jamais. Je squattais tout le temps sur la ville de ma petite cousine. Ah non, ma cousine. Et tu voulais vraiment des décorations de fou. Vraiment, elle faisait des décorations de fou et je venais tout voler, du coup. Tu venais voler? Mais toi, t'es vraiment elle méchante. Elle me donnait. Ah, mais pitié de moi. Non, on est peur de lui voler. Non, c'est pas vrai. Je pourrais lui demander si vous voulez. Elle pourra vous certifier que non. Vous certifier avec un certificat. Je lui ai pas parlé depuis 5 ans. Je viens pour dire oui. Alors sur un new leaf. Est-ce que tu peux me rappeler que merci pour la follow. C'est trop. Merci beaucoup pour les follow sur TikTok. C'est gentil, bienvenue. J'imagine vraiment. Elle se réveille le matin, elle voit un message de sa cousine qui lui a pas parlé pendant 5 ans. Et là. Même plus. Tu te rappelles sur new leaf quand je te volais tes items? Tu peux dire à tout le monde. Les gens ne croient pas du coup. Louche. Il y a rien, tu me défendes. Tu peux me défendre, s'il te plaît? T'es ma cousine pourtant, je comprends pas. Ma petite cousine. Faire un effort, merde. Moi, j'ai même pas, c'est quoi la dernière fois? Ça va être slime, regardez, là, je suis à petite place et tout. Mais là, du coup, ça va être chiant, ça, parce que ça va décaler. Mais non, c'est pas chiant. Bon, au pire, on va décaler ici. Oh, ouais, par contre, ça. Ça va bizarrement. Ouais, Sana, à la place de me demander si tu peux me poser une question, pose-moi direct ta question, comme ça au moins t'es sûr que je loupe pas. C'est. Elle loupe le chat. Bon, Voli, c'est quand t'as fini de faire à manger et que t'es fini. Toi, ça doit être galère aussi de jouer. Dans 5 minutes. À la DS et regarder le chat. Ouais, franchement, c'est pas évident, honnêtement.
Ah mais en vrai, ouais, je suis surtout concentrée sur mes motifs parce qu'il faut vraiment pas que je me trompe de trucs et tout. Plus faut que je vous lise, plus TikTok. Ah ouais. Alors désolé si j'ai pas vraiment le temps de vous lire tous. Ou si je vous loupe. Sorry. Sorry, not sorry. Tout à fait. Qui s'est fait Fanny d'ailleurs là? Mais pourquoi tu juges ma Fanny? T'aimes pas? Bah. Tu juges mon épiphanie, mais... je comprends pas. Hein? Allô? En mode galette des rois. Pourquoi tu juges Fanny, Voli, en disant que c'est une galette des rois? Ça se fait pas. Oh, déjà que ça juge Tortimer. C'est bon, vous allez commencer là? C'est oui, mon moment? Oui. Je pense que plus tard. Mais c'est pas centré. Bon, franchement, flemme. Ah oui! Ce n'est pas centré. Je pense que plus tard, j'enlèverai les motifs ici, je mettrai des fleurs genre devant, ou des buissons, des trucs comme ça, ici, là. Ou je ferai. Je crois pas. Je sais pas. Bon, je verrai. Salut, oui, Matlunes, comment ça va? Salut, Dragon du Web, comment ça va? Ça fait longtemps, dites donc. Baby Sana. Sana, faut suivre un peu. C'est un vendeur qui m'a aidé pour que je puisse vous streamer. Faut me suivre sur Instagram pour avoir les informations, Sana. Oui. N'hésitez pas à suivre Corinne sur Instagram. Tout à fait. Pour suivre l'actualité de Corinne. Merci, Voli. La salut, vie, Pelma. Coli, je vais pleurer. Bien sûr que je connais Arvandor. Comment ne pas le connaître, même, finalement. Ça fait des petites... Très gentil, Arvandor, comme... Ça fait des petites zones, en vrai, c'est bien, parce que là, je pourrais mettre des fleurs, limite des buissons, tu sais, délimiter un petit peu les habitants, là. C'est mimi. Je mettrai, je pense, par la suite, des petits motifs devant, en mode de petite dalle, pour que ça fasse un peu comme si on allait chez eux. Le quartier est franchement pas mal, honnêtement. J'aime bien. Tu peux redéplacer les maisons? Non. Non. Non, tu peux pas les bouger, les maisons. Ah, c'est dommage, ça. Parce ouais, que du coup, c'est aléatoire les spawns de maison. Ouais, oui. Par contre, une fois que tu places tes chemins, à l'époque, ils spawnaient sur tes chemins aussi. Donc en fait, ils te cassaient toute ta déco et tout. C'était vraiment. Ah ouais, ça peut totalement. Oh, et chiant, avec ça. La mise à jour de 2016, ils ont modifié ça. Ils ont fait en sorte qu'en fait, dès que tu mets des chemins, bah, en fait, ils sont incassables par les maisons des habitants. Donc tu peux littéralement choisir où les placer. Il y a des gens qui faisaient ça. Cool. J'ai regardé des let's play entiers sur ACNL où les gens faisaient ça. En fait, dès le début, ils mettaient des vieux motifs moches, OSEF. Hein. C'est qu'ils délimitaient. Merde, je me mets mauvais. Ah, qui oui, délimitaient. Ça, et comme ça, en fait, les habitants, vraiment, bah, ils se mettaient juste là où ils avaient fait l'encadrement exprès pour qu'ils puissent spawner, tu vois. Ah. Et ça, c'était vraiment alors, pratique. Quoi, en vrai. Mais vraiment... ACNL, c'était pas genre vide comme ACNH au début avant la mise à jour? Non, en vrai, non. J'ai pas le souvenir de m'être ennuyé, tu vois. Moi non plus. Parce que vraiment, la mise à jour, elle a apporté juste des meubles en plus. Mais... Puis même, en vrai, t'avais tellement de choses à faire au début. Ouais, vraiment. Je voyais même pas s'il manquait quelque chose au final. Franchement, ouais. C'est tellement loin. Avec la cote là, c'est ça la cote de. Cote de confiance, ouais, elle était un peu longue. Oh. Après, ça va, tu le fais en un jour, oh, mais. Ça, c'est un putain, je fais que tout. Ça me saoulait trop. Il y en avait plein qui abandonnaient à la cote de confiance, du coup, bah, le jeu il avançait jamais en fait. Oui. C'est quoi ça, la cote de confiance? En gros, c'est. Parce qu'en fait, sur New Leaf, quand t'arrives sur l'île, tu deviens le maire de la ville. Enfin, dans la ville, tu deviens le maire. Ah, ça, je savais. Et en fait, pour pouvoir commencer à devenir officiellement maire, il faut que tu obtiennes la confiance de tes habitants. Et pour ça, en fait, t'as Marie qui te parle de la cote de confiance, et le but, c'est d'augmenter la cote de confiance à 100%. Sauf que c'est un peu long, et tu augmentes la cote de confiance en parlant à tes habitants, en leur faisant leur petite mission, en arrosant les fleurs, en prenant vraiment part, en fait, à la vie du village. Mmh. Et il y a beaucoup de joueurs, en fait, qui s'étaient arrêtés avant parce qu'ils n'allaient jamais dans la mairie. Donc, en fait, Marie, bah, leur parlait, mais pas trop, quoi. Donc, c'était un petit peu galère pour eux. Oh, les 12 heures. Enfoiré. Donc c'est joué, t'as pas le droit de dire ça. C'est petit short, bah alors, où il se prend pour ton petit short. Tu n'as pas le droit de juger quelque chose qui ne pas petit short. Moi j'abandonnerai toi, tu vois, je suis un bonhomme. Ouais. C'est vrai que Voli, mine de rien, il... Oh regardez, c'est ce que je vous disais la dernière fois, j'ai une souche avec un cœur. Ah c'est trop mimi. C'est trop mimi, mais elle est vraiment à une case mal placée quoi. Vraiment. Oh non, je suis trop triste. Elle est trop belle. Et du coup, Voli, mine de rien. Oui, Voli, mine de rien. Je trouve en vrai, par exemple, sur ACNH, c'était pas du tout un jeu qui te. De base, te motivait ou quoi. Ouais. Et au final, t'as vraiment compris le but du jeu. T'as vraiment compris. Et tu vas plus loin que le bout de ton nez. Genre, tu regardes ce que tu peux faire. Tu visualises un petit peu. Beaucoup de gens font pas l'effort de faire ça. C'est dommage. Bah, c'est qu'en fait, j'ai joué à beaucoup de jeux, genre tout ça d'exploration ou des, genre, des jeux en Die and Retry, tu sais, un peu comme les Dark Souls. Ah ouais. Comme ça. Mm-hmm. Et du coup, ça me dérange pas de recommencer, de pousser des trucs pour réessayer et tout ça, genre. Mmh. Bah c'est bien d'un côté. Ouais, bah ça m'a forgé mon mental. Hein. C'est clair. Et League of Legends aussi. C'est ça. C'est vraiment, regarde, c'est trop.
Quand j'ai fait mon entretien d'embauche, ils étaient ouais, mais les gens ils sont pas forcément sympas et tout. Dans ma tête, j'étais eh, j'ai plus de 8 ans de League of Legends dans les pattes, c'est pas des connards qui vont me faire peur. C'est pas ça qui va me faire peur. Oh non. L'expérience professionnelle, j'ai pas peur. Il y a la choupinette. La choupinette. Cam, bonjour. Toi, t'es vraiment là. Vous êtes vraiment les fans de Cam Cam, hein. C'est fou, hein. Bah, c'est toi qui est là, qui nous dit qu'il y a la choupinette. Bah ouais, il y a votre choupinette, quoi. Trop choupinette. Cam Cam, faut se poser un RDV. Tu t'en mets une. La chance. La chance, c'est RDV Cam Cam et tout, genre. RDV Cam Cam. Ça, RDMV Cam Cam, genre. RDV Gare du Nord Cam Cam. Baston. Salut Révali, comment ça va? Gare du Nord, ça va être un peu compliqué, mais... Ça fait un peu loin, Gare du Nord. Ouais, je pense que Lyon-Perrache... c'est pas mal. Pardieu ou Lyon-Perrache. Pardieu, c'est moche comme nom, je trouve. De... Ouais, surtout que Pardieu, on n'y allait jamais un samedi. C'est quoi Pardieu? C'est le nom de la gare ou c'est une ville? En gros, c'est la gare, mais c'est ouais, un centre commercial, mais c'est blindé à mort le samedi. C'est horrible. Il y a beaucoup de monde. C'était à Perrache ou à Pardieu que t'as voulu... Bah, que t'as hurlé, c'est Volibroum, le streamer à CNH. Pierre, c'est là où on ira pour chercher Lina. Tu vois, c'est différent. Elle était trop contente, hein. Mais surtout que sa story, elle l'a coupée vite. Parce qu'elle a vraiment crié pendant 10 secondes. J'étais à le temps qu'on descende des escalators. J'étais là, putain, arrête-toi, laisse-moi tranquille. La superstar à Sana. Tu vas bien sûr, après, comment tu veux qu'on passe à côté? C'est bien les bons. J'étais trop gênée, t'as Mariana et vous qui étaient mortes de rire, je t'ai fait. Salut Lorexa, merci pour ton follow et bienvenue. T'es toi aussi, tu me disais ouais, t'oseras jamais. C'est vrai, tu lui as dit, je me rappelle, bah... je suis témoin. Eh oui, j'étais là, mais t'oseras pas. Je me suis dit, c'est une dégénérée, mais pas à ce point-là quand même. Elle a hurlé dans toute la gare. Bah ouais, tu me dis ça aussi. Ouais, au moins t'as prouvé qu'elle était capable. Pendant 2 mois, les gens, ils étaient tous... Femme cafable. Oh lol, c'est Volibroum, le streamer en CNH. Oui, vraiment. Sur tous les chats où j'allais. Salut, le streamer en CNH. Vraiment. C'est ça, un Voli, d'avoir du succès. Ne me remercie pas. C'était le revers de la médaille. Evie. Je pense qu'on va aller jusqu'au bord, là. Au moins qu'on va prendre tout le bord. Vous savez, le bord des dalles de merde, hein. Elles sont trop moches. On va mettre ça. Voli comme populaire. Voli, c'est une superstar, hein. Je pense que vous bah vous alors, c'est trompé de motif. Mais oui. Je me suis trompée. Ah, attends, ça mérite. J'imagine, attends, regardez. Non. Attendez, je passe sur PC, je reviens. Vite. Ah oui, bon, je reviens en même temps. La honte n'est faite. Loser. Moment incroyable. Cette émote est géniale. Mais oui. Elle est vraiment... Ah là, Tammy, elle est trop forte. Trop forte. C'est la plus belle, mais en plus elle est trop forte, tu te rends compte? Ça, je suis totalement d'accord. C'est un oui. Oui. Maintenant, Cam Cam et Loulou, qu'est-ce que tu... Salut le streamer ACNH. Lolo, si jamais tu veux nous rejoindre en voix, n'hésite pas, hein. Lolo. Vous savez, c'est la... Lolo ménage. C'est le ménage, attends. Bon Voli, tu peux te connecter, genre. Elle a refait. Non, Néfette. Voilà, c'est bon, je me sens bien. Je vais te bannir, tu verras plus. Tu peux pas. Pourquoi? Parce qu'on est amis. Ah oui. Non. Ah oui. On t'a parlé, toi. Oh non, Lolo. Tu le pro. Ça va se faire frère et sœur Oned. Non, il va se faire Family Ed. Non, mais toujours plus, lui. C'est pas faux, il a pas tort, cela dit. Bah, il parle de famille. C'est un peu triste. Super, faut rire. Je vais faire un chemin de 3 encore, là. Je vais relancer ma DS à cause de toi. Mais vas-y, Nefert. Mais je galère avec mes sons. Mais moi, tu crois que je galère pas là? Tu crois que je pose comment les motifs? Mais elle est pas plus grande avec la tienne que la 3D? Ah, si, t'as la petite. Ah ouais. Oui, ah ouais. C'est la 3D, du coup, vraiment. Ah oui, mal au dos, sans bouger le joystick. Non, mais je compatis quoi. C'est un peu galère. Elle fait mal au doigt cette DS. Elle est vraiment minuscule hein, dans la main, franchement. Bah, je sais pas comment je faisais quand j'étais plus petite pour jouer. Bah, je devais avoir une main. Ah, tu t'es cassé la gueule. Bah après, tu t'habitues. C'est comme les téléphones. Tu t'y habitues. Elle fait déjà partie de mes émotes favorites, putain, je l'utilise trop.
Oh non, merde. Mais arrête, elle est incroyable. Enzo a créé quelque chose de mauvais, mais... Oui, vraiment, c'est grâce non à Enzo. C'est le moment de le mettre, là, par contre. Oh, y'a Lolo. Oh, regarde, y'a Lolo Minage. Attendez, il arrive, ah, il arrive. Il fait sa mise à jour. Ouais, il fait la non, mise c'est... à jour. Faut qu'on laisse tranquille un peu sur le robot. Mais il fait la mise à jour Discord, quoi, c'est tout. Bah ouais. Voli. Ah ouais, voilà. Je propose qu'on arrête de dire que c'est un robot jusqu'à au moins lundi prochain. Voilà. On lui laisse son week-end. Mais c'est alors Lolo, t'avances comment dans ta partie? Bah là, j'ai toujours pas avancé. Là, je m'en vais. J'y vais là. Quoi? Je m'en vais là. J'ai pas avancé, je m'en vais. Lolo, il a bugué là. On l'a pris de court, ma question était trop rapide. C'est laquelle que t'as, toi, Lolo, déjà? J'ai la 2DS XL et la 2DS. Bah, c'est laquelle, la orange que t'as? Non, moi j'ai la bleue et noire. Oh. La bleue et noire est très belle. Mmh. Honnêtement, je la préfère à la blanche et orange. La blanche et orange, c'est pas à quoi elle ressemble. Bah, elle est bleue. Tu vois ma DS à l'écran là? Le contour mauve, il est bleu et le blanc est noir. Ok, okay, d'accord. Voilà. Et l'autre en orange, c'est mais pareil, mais à la place du violet, c'est du orange. Mauve. Oh, elle est trop belle. Mais celle-là, c'est une édition limitée. J'avais pas vu. C'était une édition. Tu suis jamais. C'est pour ça que j'ai brisé assez. Il la vendait à mon Leclerc à une époque, la blanche et violette là. Mais moi j'ai un souvenir d'en avoir vu et tout, et j'étais là en mode ouais, mais c'est cher. Et au final, maintenant elles se revendent plus cher les consoles limite. Quand t'as des éditions, genre les éditions un peu limitées, elles se vendaient au prix normal, et maintenant genre elles se vendent hyper cher par rapport à. Ah bah comme c'est pour ça qui vieillit hein. Bah ouais. Bah tu vois, genre, c'est un truc où je prenais jamais en compte quand j'étais petite ça. Dans 40 ans, la Switch elle coûtera une blinde, hein, qui sait. Ma Switch SNH, popopo. Non, on ne pas. Vrai. Après, quand il y aura la prochaine mise à jour, on va 35. Par contre, là. Je pré-shot. Nouvelle mise 2035, à jour. 2035, ah ouais. Salut Sophie, merci pour ton follow. Bienvenue. 2025, en vrai, ça me paraît pas trop mal comme date pour une. Voli. De 2035. Ton micro. M'entends les Voli, tu nous grailles l'oreille, là. Ça croustille. C'est toi, t'as mon un micro qui fait exprès pour plus entendre les bruits, on entend plus qu'avant. Quoi, c'est moi trop. Non, le non. Voli. Voli. C'est le clavier, pour une fois que c'est pas toi, Lolo. J'avoue. Enfin, pour une fois, en vrai, non, ça va. En général, ça va. C'est bien gratuit, oui. Bah, laissez-moi manger mes frites cordon bleu. Là. Bon cordon et bleu. Et déjà, c'est un mélange pizza, frites cordon bleu. Bah, non, bon, bah c'est non, c'est un classique, c'est frites cordon bleu. Bah, je préfère gnocchi cordon bleu. Ça, c'est la base. Non. Si. Non, c'est bizarre. Non, c'est plus bizarre gnocchi cordon bleu que frites cordon bleu. Vous trouvez? Ouais. Bon après bizarre est un grand mot hein mais... Et vous le chat vous trouvez aussi que Nefert c'est bizarre ou pas? Mais ça va pas. Oui Nefert. Voilà merci Camcam, merci. Bon live, merci Sophie c'est gentil. Juger, je mange des pâtes avec de la mayo. Ah Lolo tu me dégoûtes. Attends. Quelqu'un va aller ok avec moi. Non, mais comment je suis désolé mais pâtes mayo c'est un banger. Lolo il mange des pâtes à la mayo. Bah oui. Quoi? Ah oui moi aussi quand elles sont froides. Ah mais moi j'adore. Avec du thon c'est trop bon. Bah oui. Mais oui, mais en salade de pâte, pas en chaud. Non. Moi, froid ou chaud, ça me dérange pas. Ah non, moi chaud, non. Vraiment que froid, en mode salade. Merci Audrey pour le follow. Je préfère quand même en mode salade, mais quand c'est chaud, ça me dérange pas. Ah ouais. Je suis pas... Le débat, voilà, elle est bizarre. Merci Audrey pour ton follow. Elle juge mes papilles, regarde. Alors je juge tes papilles, oui. Allez, fossile, c'est parti. Premier fossile. Moi je mange le tout après donc. Je t'aime pas de cordon bleu. Ouais, pas de cordon bleu, c'est un banger. Ah bah, pas de cordon bleu, c'était mon repas de ce midi. Oh. Classique, classique. J'en ai plus non plus, faut que j'en rachète. Et ce soir j'ai mangé. Pareil, j'en ai plus maintenant. Croque monsieur ? Oh, croque monsieur, c'est une dinguerie, ça c'est trop bon. Oui, vraiment, c'est incroyable. Ça c'est folie, hein, comme c'est bon. Croque maison. Oh, mais il m'en reste un ! Oh my god ! Tu me rappelles à l'époque, chez moi on faisait grave des cordons bleus maison et tout, genre ma maman elle faisait tout le temps. Moi je faisais croque madame aussi. Croque madame jamais j'en ai fait. C'est bon. Ah non non. Bah, en fait, mange des... y a les... Je mange coréen là. Ah oui si t'aimes pas les œufs. Tu vas manger quoi Roulia? Oh non je suis jalouse, ça y est. C'est pas le chat sous les yeux du coup je peux pas voir si les gens... Rolo elle a dit qu'elle mangeait coréen. Oui. Oh coréen. J'ai jamais mangé coréen. Si, j'ai déjà mangé, Julia, j'ai déjà mangé asiatique, mais pas coréen.
coréen, c'est trop bon. On avait fait un barbecue coréen avec Tammy et Loki. Oh. Genre l'année dernière. Oh, il y a deux ans déjà. Il y a deux ans, je crois déjà. Il y a même. Deux ans, ouais. Quand t'es allé à Paris, t'as vu Loki. Ouais, c'est ça. Mieux de sa vie que... Parce qu'on s'était vu, on s'était rencontrés cette année-là. C'est ça, c'est ça. Pardon. C'était quoi ce vieux rire, Lolo? Je viens de capter seulement. Non. Je viens seulement de capter, quoi. Pour pas chercher. Lolo, t'as oh pas là là, le Angus, là, il vient de m'agresser. Oh, mais... ma phobie, cet habitant. Vraiment. Non, mais moi, j'ai tous les habitants moches. Heureusement que j'ai Bibi qui... qui remonte un peu le level, ouais, j'avoue. Moi, j'avoue, j'ai retrouvé. Par contre, je pense que c'est pas une bonne idée, ça. Je pense qu'on va... Moi, je dis juste que j'ai décalé. Mais la déco sur New Leaf, c'est forcément une déco naturelle, du coup, vu que tu peux pas mettre de meubles derrière. Alors, t'es obligé de mettre des arbres, bah, des fleurs, soit du naturel, t'as des projets, t'as des projets publics qui comptent comme des meubles quand même, mais c'est pas vraiment. Il y a Mia qui t'a fait un peu de chat. Là, c'est que 30 projets. Mais mes ongles, ils sont pas nettoyés, genre il y a encore plein de blanc partout. Ah, bravo, t'as grâce et après, elle peut te je les enlève à la douche après. Je fais la même technique à moi. Je la douche aussi en mode hop là, ni vu ni connu. Ouais, tu enlèves le trop. J'ai la flemme de prendre des produits et tout là, je préfère frotter à l'eau chaude. Oh la chance, Roulia. Salut Eloli. Roulia, donne. Oh là là, Roulia. Je te parle plus, je vais la bannir. Vous donnez faim, ma lasagne elle est prête dans une heure là. Elle est au four là? Oui. Ah bah, ça on peut ban pas Roulia du coup, on partage. Ah bah alors là, quoi, faut pas me le dire deux fois. C'est quoi un Ijriyuk? Un quoi? Je sais pas. Qu'elle a dit la Roulia. Je sais pas ce que c'est. Mais je me dis c'est forcément J-Yuk. Bon. C'est quoi coréen, c'est forcément. Oui mais c'est quoi genre? Je sais pas exactement. Ce que c'est. Je connais même pas le nom du plat. Je connais genre les bibimbap, les trucs comme ça tu vois. Ouais. Moi déjà le truc j'allais pas prononcer Jeyuk mais Reyuk Reyuk en mode espagne. C'est du porc sauté aux oignons avec des... Oh putain. Phobie, non. T'aimes pas le porc? Mais t'aimes rien Lolo. Eh hey, arrête de critiquer. T'aimes pas Lolo le porc? Le porc sauté. Bah, le porc j'aime bien mais quand y a pas de gras et les oignons voilà. Oh les oignons c'est banger bien, du coup, ça ce va, palais hein. De princesse que tu as, Lolo. Lolo, la princesse, en fait. Alors, palais de princesse avec des pâtes maillots. Non, ça va, en vrai, 14 euros, je trouve que c'est ok. Moi, je trouve ça grave ok. Non, j'avoue, je trouve ça plutôt d'Oberman. Vraiment. En fait, Lolo, il n'y a pas d'entre-deux. Soit il fait la princesse, soit il mange pâte maillot. Voilà. Vraiment. C'est trop. C'est vraiment... Il y a une limite de fontaine ou pas? Oh. Non, il n'y a pas de limite de fontaine. Ok, je peux en mettre 3. Je peux voir les fontaines. À part le moulin. Non, le moulin, tu peux le placer plusieurs fois. Non, c'est quoi? C'est genre poste de police que tu peux mettre qu'une seule fois? Ouais, le poste de police, le café et le campement que tu peux mettre qu'une seule fois du coup, puisque ça se démolit pas. Oui, c'est vrai. Oh, il aime beaucoup, super. Oh my god! On va y aller à 15. Je veux venir maintenant. Je vais venir de base, mais vas-y, le trajet il est trop loin. Enfin, c'est trop long et c'est trop Allez, cher. Allez, viens avec nous. Non, c'est trop cher, Voli. Dommage. J'en ai pour plus de 100 balles encore. J'avoue que là, ça me met un peu mal. T'inquiète pas, j'ai plus d'alternance, donc je peux plus me permettre comme en mars de venir en mode let's go. On mettra Discord et c'est comme si tu seras là. Oh ouais, s'il vous plaît. Avec Sasu et Buffy. Le train il est si cher, j'en ai pour plus de 100 balles. Si j'avais des habitants locales, mais je sais pas, Lyon tout seul ça me fait super peur. Ouais, en plus c'est loin de chez toi, Lolo. Ouais. C'est super loin. Alors franchement, je l'ai déjà fait, Lyon tout seul. Et Vierzon, j'aime pas cette ville. Désolé s'il y a des gens de Vierzon dans le chat. Mais vous viendrez toujours voler. Ah, pourquoi c'était quoi le problème de Vierzon? En gros, j'avais des retards. J'avais de base. Ah oui, mais c'est vrai, mais oui. Une escale de 40 minutes. Qui s'est transformée en une escale de plus de 2 heures. Ah ouais, c'était vrai, c'était ça. Et du coup, genre à chaque fois, j'étais. Ah bah, il y a mon train qui arrive. J'étais sur le live de Nef, je fais bon, il y a mon train qui arrive, je m'en vais. Et à chaque fois, je revenais 5 minutes après, j'étais là. Bon, bah, il est pas là. Bah, il est... Ça a duré pendant une heure et demie. J'en purée, l'angoisse.
C'était trop. Ah merde, j'ai pas. Et après, je monte dans le train à Vierzon. Je m'étais fait péter à ma place par une colonie de vacances. Du coup, je m'étais mis. Oh non, ça y est, eux là. Une colonie de vacances, quand même. J'en pouvais plus. Ça, par contre, c'est aberrant dans les trains. Moi, à chaque fois que je prends le train, genre dans les périodes de vacances scolaires, été, en été, je tombe tout le temps dans les wagons avec les colonies ou les centres aérés, les trucs comme ça. Et à chaque fois, les enfants qui sont placés par les moniteurs, etc., ils sont pas à leur place. Il y a des gens qui sont là en mode, mais là, vous êtes à notre place. Genre, toute la rangée d'enfants, là, vous êtes à la place de notre famille. On est quatre, on est deux enfants dans la famille. Genre, poussez-vous, genre. Pas de pitié, hein, hop, tu les. Et prends, ils sont là, bah, mais nous aussi, on a ces places-là. Mais tu sais, juste, ils se sont trompés de wagon et ils voulaient, genre, en gros, que tous réunir les enfants dans le même wagon. Mais en fait, t'as pas la place dans le wagon, quoi. Dégagez. Genre, désolé pour vos enfants de colonie, mais vous allez mettre un moniteur dans chaque wagon et basta, genre. Moi, vraiment, dans les trains, j'ai aucune pitié, hein. Ah oui, pardon, Mariana. Oh, c'est ma place, hein. Ça arrange personne. Je suis parti de la Rochelle. T'étais en première classe, Voli ? Non, mais il y avait une vieille qui était à ma place, qui avait mis toutes ses affaires. Je fais, madame, je suis ici. J'ai fait pareil aussi. Elle était là en mode. J'ai fait pareil. Excusez-moi. Moi, c'est pas une vieille, moi. C'était une jeune. Mais vraiment, genre, elle jouait trop la carte de l'ancienne, tu vois. Mais je suis une vieille, vous comprenez ? Non ! Ah, mais franchement. Y'a pas de mamie Guitienne. Ah, je m'en bats les couilles. Hein. Oh, ça fait le prout de ketchup. Moi, c'était. Ah, tu me dégoûtes. Ah, Voli, t'as c'était pété, t'es vraiment un gros dégueu. De Paris, là, pour la Paris Games Week. Le train c'est vrai. Blindé et tout. Et genre, déjà, ça m'angoissait que c'était rempli. En plus, ouais, et la meuf, en gros, elle était à ma place côté fenêtre. Donc, c'est vraiment la meilleure place. Et elle avait tout enlevé, hein. C'est sa bouffe, son ordinateur. Je regardais, je fais oui, bonjour, c'est ma place. Rendez-moi ma place. J'ai dit gentiment, bien sûr. Et c'est pas, elle a râlé. Je suis en mode, bah, regarde-moi ta place, grognasse. On est où là? C'est ma place. J'ai payé pour la fenêtre. Moi, ça m'est arrivé, mais à l'inverse, où en gros, avant, genre, j'étais. Pas, mais maintenant. J'étais censée être côté fenêtre. Enfin, sur mon billet, c'était écrit genre côté fenêtre, mais genre sur la place dans le train, ma place était pas côté fenêtre. Elle était côté de l'allée. Donc je me suis dit, bah en vrai, moi, Osef, tu vois, genre. Je me mets côté fenêtre, quoi, comme c'est écrit sur mon billet. Et la personne, elle débarque, elle me dit, bah désolé, mais c'est moi qui suis censée être côté fenêtre au vu de ce qu'il y a écrit là au-dessus. Je dis, bah excusez-moi, moi, sur mon billet, c'est écrit côté fenêtre, quoi. Ah, c'est mode... tu te regardes bah, dommage. Je vais me mettre dans l'allée. Bah oui. Mais excusez-moi. Avant je n'osais pas. Moi je disais si la personne était assise à ma place, j'étais en mode bah c'est pas grave. C'est je me mets ça, là, moi ça me bourdonne les mains moites et tout genre le train. Mais oui vraiment. Et trop entouré d'inconnus, d'être assis à côté d'inconnus comme ça. C'était le dimanche côté où je pouvais plus marcher. Je pouvais plus plier ma jambe et tout, j'avais trop mal, j'avais plus de pitié. Ah mais c'est vrai que t'avais la jambe en feu toi en plus. Ah ouais, j'en pouvais plus être ton assistant. Là j'avais vraiment pas de pitié pour la dame. J'ai fait non! Voilà, il y avait trop de circonstances qui faisaient que c'était trop quoi. Ouais, vraiment. J'étais en mode non, en plus t'avais du retard, Lina elle a dû attendre avec moi. Enfin, c'était ouais, heureusement que Lina elle était là quand même. Oui, oui. Je pense que c'était un peu soulagée quand même. Parce que... Et Def elle est surtout elle est très à l'aise hein, quand elle est. C'est mimi les chemins là, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas trop mal en vrai. Je dis pas ça pour me foutre de sa gueule parce que. Elle était c'est totalement horrible. Paniquée. Mais c'est horrible! Mais c'est terrible, hein, surtout quand t'es aussi loin. Genre là, c'était une des premières fois que tu partais solo comme ça, Nef, en plus. Ouais. Ou personne de. Ouais, oui. J'aime bien, ça va, c'est mimi. Hein. Mais c'est vrai, Mariana, t'as attendu grave longtemps, toi, à la gare. Bon, ça va, t'étais déjà à la gare, donc t'as juste dû attendre à la gare, mais. Enfin, c'est chiant, quoi. Enfin, après, imagine, t'aurais été genre en mode. Oui, non, c'est pas la gare du Nord, faut aller à la gare Montparnasse pour prendre le train. Allô. Merci, Marie, pour ton follow. Franchement, c'est l'angoisse. Ah, non, secours. Non, moi quand je vais à Paris, je demande toujours quelqu'un qui vient me chercher. J'ai trop peur. Ouais, mais moi aussi, à chaque fois, je suis là en mode Lou, tu t'arrives à quelle heure? Comme ça, tu viendras me récupérer à la gare. Ou quand c'est ta mère, t'as mis, tu vas me chercher à la gare. Oui. Merci Lou pour ton follow sur TikTok. Merci beaucoup. Ça me suit parce que moi, vraiment, je m'en fous genre d'être tout seul ou pas. Ah, moi, vraiment pas. Mais moi, j'ai peur des gens et les gens m'angoissent. Ouais, en fait, c'est moi, c'est. Bah, je pense, Nef, t'as un peu le même syndrome. Enfin, pas syndrome, c'est pas un syndrome, mais genre, tu sais, en mode. On est tout le temps solo, toutes les deux chez nous, tu vois. Du coup, que sortir, moi, sortir dehors, ça m'angoisse. J'ai peur, en fait, du danger que le dehors représente. Oui. Bah, demande Nicolas, à vous, je lui ai envoyé des vidéos où j'étais juste au Leclerc un mercredi à 10h. Ah, c'était la panique. Mais moi, je fais pas mes courses toute seule. Hein. J'appelle tout le temps des gens, je vous demande tout le temps pour faire les courses. Hein. C'est pas pour rien que je vous demande qu'on se mette en appel quand je dois faire mes courses. C'est angoissant. Moi, c'est une angoisse pour moi de faire les courses et tout. Mm. Moi, j'ai confiance en mes capacités. Je sais que je cours très vite. Si on m'agresse, je cours. Moi, je peux pas courir. On va se casser le genou. Je peux plus. Ah, du 0 à 100 en 2 secondes 3. Hein. Super pro. Ok, le Silver Star. Silver Star, c'est bon petit.
Vive Europa Park. J'y vais cette année normalement. J'avoue, en vrai, rouler à la bombe lacrymo, c'est un truc, c'est un mood à prendre. C'est ça. Tu t'as la bombe lacrymo, tu te sens bien. Là, tu te balades. Je suis sûr, je pas... trisserai le truc à l'envers, genre. Je sais pas ce qu'on veut. Merci pour le follow, ah, bah, vraiment. Elle va se gazer toute seule. J'ai l'air de la panique en vrai. Franchement, c'est possible. Je suis sûr, y en a, ils ont déjà fait ça sans faire exprès. Un petit coup de gaz lacrymo dans soi-même, allez. Ouais. Miam. Allez, un petit peu de poivre sur la peau là. Miam. C'est tellement de zinzin, avion. Tu picotes pas du tout. J'en ai partout en roulis. Hein. Ouais, dans toutes les villes. Hein. Partout, hein. Même dans les villages. Là où tu vas, il y a des zinzins. Une fois à Rouen, là, j'étais à la gare, il y a des gens, ils sont venus me parler, je les connaissais pas, j'étais là, mais laissez-moi. Arrêtez. Mais c'était avec vous. Ouais, c'était Lolo quand t'avais ramené à la gare. Tu te rappelles le mec qui était venu parler et Lox lui avait répondu parce qu'on était avec Lox, donc ça me rassurait. Mais genre, il y a un mec qui est venu nous parler. Ouais, quand on a ramené Lolo après la Paris Games Week, il y a un mec qui est venu à la gare. Et genre, il est venu nous parler et j'étais là en mode putain, j'ai trop peur. Genre, ça m'avait angoissée alors que le mec il était super sympa. Il était super sympa. Mais j'étais angoissée à l'idée que genre, tu sais. Il te parler comme ça. À tout moment, il arrive, il sort un chlasse, tu vois. Genre, la même qui pense toi, tous les trucs les pires qui peuvent arriver, mais j'y pense quand même à chaque fois que quelqu'un que je connais pas vient me parler. Le pire truc qui peut t'arriver. Tout le temps. L'angoisse. Tu sais que ça, je me souvenais même pas. Moi, franchement, ça m'a pas marqué. Hein. Genre, c'est un mec qui demandait son chemin, quoi. Mais oui, mais. Des mecs. Voilà, c'est ça. Pas forcément parce qu'on est des mecs. Vous avez moins peur des mecs. Salut Yukina, enfin, re-coucou. Moi, je me souviens même pas ce moment-là. J'étais tellement mort. Mais pareil, Roulien. J'ai envie de sortir. Ouais. J'avais tellement mal aux jambes, être resté debout toute la journée. Déjà, moi, mes mères étaient assises sur son lit toute la journée. Hein. Donc, être mood. Debout... Ça va te faire bizarre, Lolo, quand tu vas aller bosser dans un truc où ça va être physique, là, tu vas être là, moi. Après la grosse pause... Lolo, quand il va bosser au bout du deuxième jour, il voudra plus y aller. Hein. Faudra je vais m'installer, tu sais, sur le rayon, là-haut, là. Je vais être là en mode, salut, ça va le produire. Il va dormir sur le rayon. Vraiment. Ah, non, en vrai, moi. Par contre, premier degré, c'est pas évident. C'est vrai que quand tu restes pendant longtemps chez toi, par exemple, là, même moi, hein, si je venais à reprendre un taf physique, genre à rebosser dans un drive, bon, chose que je ne ferais plus jamais de ma vie entière, mais si je venais à devoir rebosser dans un drive ou quoi, faudrait que je fasse du sport tous les jours parce que vraiment, c'est physique au possible le drive. Ah oui, oui. Je devais faire des pauses parce que c'était trop. Le rythme était trop intense. Genre, je suis là, moi, désolé, je dois faire une petite pause parce que je vais caner, genre. Mon manager il était pas de cet avis, mais bon. Vraiment, ça va aller faire de la petite course là le matin, là comme Lox. Mais vraiment, petit footing. Lox, des fois il se tape des déterres, il va faire des petits footings. Enfin, il se lève à 5h, genre il va faire des footings en effet. Tu m'as vu, je pensais que t'avais pas vu. Oui, je t'ai vu. Trop belle. Oh. Réflexe. Non, mais faire un footing à 5h du matin, non mais allô, moi je peux pas. Hein. Moi 5h du matin, je dors. Moi je me réveille juste pour faire pipi. Non, il se réveille à 5h, il fait le footing genre à 5h30, tu vois. Mais putain, j'ai pas cette vautrée comme ça. Quand je travaillais en drive, trop motivé à courir, 5h, je me levais à 4h du matin. Hein. Ouais, bah j'étais obligé d'y aller à 6h. T'es obligé d'y aller non, tôt, c'était 5h, ouais. C'était 5h. Moi j'adore, hein. Moi pour moi, travailler tôt le matin, c'est vraiment ma passion. Ouais, c'est trop bien. J'ai super peur. Moi j'adore. Ouais, y a accueillez le raid, s'il vous plaît. Bonjour le raid. Bonjour le raid. Bienvenue. Merci pour ton raid. N'hésitez pas à aller follow Mister C. On est repassé de mon côté sur Animal Crossing New Leaf qui était sur la 3DS et je suis à l'étape du posage de chemin. Alors c'est un peu long, du coup j'ai invité nos chers modérateurs et amis Ayame, Voli et Nefertz qui m'accompagnent. Yo la team. Bonjour à tous, salut Po, comment ça va? Tiens, à un moment il se présente en mode salut. Enchanté, moi c'est Lolo. Salut. Salut, moi c'est Ayame, j'espère que vous allez bien m'apprécier. Bonsoir à tous, j'espère que le stream s'est bien passé. Ça slay ce stream, mais il slay. C'est vrai que j'ai pensé slay. À toi. Oui, hier. Pourquoi? Tu sais, dans les miles, je suis en train de faire le 100% miles également. Oh, mais toi, t'es ancien. Plagiat. Tu sais, j'ai de faire le jour de l'an. On l'a fait ensemble sur ma ville, chez moi. Ça n'a pas pris en compte, j'ai dû le refaire hier. Ça l'a pas pris en compte? Bah oui, parce que ça avait bugué. J'ai dû le refaire. Ah mais oui, on avait craché, c'est vrai. Mais oui, du coup, j'étais toujours sur ma partie après, c'est toi qui es parti. Et moi j'étais toujours là. Mais c'est bizarre. Et quoi, ça m'a ah oui, t'as joué à New Leaf, Mister C. Je savais même pas que t'avais joué. Et t'as joué, mais oui, t'as joué à New Horizon aussi, Mister C, non? Bah oui, je me rappelle d'avoir vu des... Attends, en ce moment, je confonds. Oh, le gros lionel. Ce serait vraiment honteux de confondre, mais...
New Leaf, c'est un banger, ce jeu, je vous jure, il est... De ouf. Quelqu'un tout à l'heure a osé dire, sur mon chat TikTok, que New Leaf était nul. Ça m'a vexé. Jeanne. Encore un titre, Squid World. Jade, c'est pas Jade. Après, il peut dire qu'il a pas aimé, mais tu dis pas qu'un jeu est nul. Mais vraiment, elle a débarqué, elle a dit... Oh, il est trop nul ce jeu. Enfin, genre, il est nul ce jeu. Putain, la mode, bah non. Super, Thérèse, on est d'accord. Après, elle a dit quand même. Oui, bah c'est mon avis. Bah alors, dis pas, il est nul ce jeu. Dis, je trouve que ce jeu est nul. Dis pas, il est nul. Non. Dis, je n'aime pas ce jeu. Ouais, voilà. Non, mais il est nul, c'est mon avis. Oh, la l'autre, il mine bien les gens, franchement. C'est là qu'on reconnaît les gens qui ne sont pas matures. Oui, c'est pas faux. Vraiment. Zinzine, ou j'aime pas, ouais, voilà. Elle a osé dire qu'il était moins bien que New Horizons. Non, ça c'est outrant. Stop de tomber. Je fais que courir. Les gens qui disent j'aime pas. J'avoue là, non, tu fais que te foutrer. J'aime pas, c'est oui, bah, c'est ton avis quoi. Ouais, je me disais bien que t'avais streamé sur CNH. Non mais tu sais, c'est la vieillesse, le temps passe trop vite. La meuf vraiment, la vieillesse, ça va, je trouve encore. Ouais. Non, je pense en vrai c'était quelqu'un qui devait avoir genre 14-15 ans. Ouais, c'est sûr. Parce que le reste des messages était ok, tu vois, et c'était pas non plus. C'était pas. Enfin, il était pas dérangeant. T'es vraiment tiède là à s'être avec tes piqûres d'abeilles et le fait qu'il tombe tout le temps. Mais arrête le pauvre. Mon pauvre perso. Oui, je fais tiède et alors. C'est un peu vrai quoi. C'est vrai qu'il y a un peu de la peine. Mais elle est stylée quand même, j'ai une belle tenue non. Oui, elle est belle. Ah, toi aussi du coup, trop bien. T'en penses quoi de ce jeu? Vous en pensez quoi de Wild World? C'est quoi votre avis sur ce jeu? Le jeu DS? Ouais. C'est vraiment le premier que j'ai joué. Alors Wild World? Toi aussi, mais je pense qu'on a tous commencé avec ça. Genre. Ouais, tu peux pas y rejouer maintenant comme New Leaf. Non, tu peux pas en vrai. Et il y a rien, je suis. Tu as joué à Voli? Bah oui, j'y ai joué. J'ai joué à celui sur Wii aussi. J'ai fait ADS. Oh my god. Voilà, regarde, c'est la nostalgie, mais c'est tout. Ouais, en vrai, c'est plus la nostalgie qui parle. Il y a rien à faire dessus. Non. La nostalgie est un vilain sentiment parce que ça embellit la vérité. Un vilain sentiment. Bah en vrai oui non. C'est vrai, en vrai t'as pas faux Voli quand tu dis que ça embellit la vérité, c'est réel. C'est ça, ça embellit la réalité. Hein. C'est vrai, je trouve que c'est vrai. Ouais, j'ai vraiment jamais joué. J'ai vraiment commencé avec elle. J'avais Nefertiti dessus, j'étais trop contente. Ah, surtout avec ton blaze maintenant. Les petits rappels. Tu jouais avec ma maman. Dans le lion, t'es en mode ouais. C'est vrai, tu jouais avec ta mère, trop mimes. Oui, je jouais avec ma mère, mais j'étais petite. Ma mère, on en avait rien à foutre. Et vu qu'elle-même, elle adorait genre, l'Egypte et tout, tu pourrais être en mode « Oh my god, Nefertiti !» On part avec ta mère en voyage en Egypte ou ça se passe comment? Ah, let's go, c'est parti. Tu sais qu'elle adorerait. J'adore. J'ai hâte que Dolly et Lox finissent leurs études pour qu'on puisse partir en Egypte. C'est quand Je sais pas. Dans un moment. Parce que je vais venir aussi. Dans 50 ans. Ça va y aller à 15. On fera un peu les vacances des croutons, mais version nouveau. Les vacances des swags, on fera des cache-cache. Oui, je suis d'accord, Oulia, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord aussi, je préfère le AC sur la Wii que celui sur la DS, genre, largement. Oui, celui-là, oui, il est trop bien. Il est plus complet. Chihuahua, Nenashama. Mais tu sais que Mister C, on l'avait refait il n'y a pas si longtemps, ça, la fontaine avec Chihuahua sur la Wii, parce que j'avais un donation goal de l'event caritatif que j'avais fait en octobre. Et ben, on l'a pas eu, hein. J'ai pas réussi à l'avoir. Je sais pas comment c'est possible de l'avoir. Genre, j'arrive pas, j'ai pas réussi. J'avais trop les nerfs, j'étais là en mode. Donnez-la moi. J'arrivais pas. C'était bad long, mais c'était super long, de fou. Et on l'a même pas eu, c'est ça le pire. Okay, c'est vraiment qu'au final, on a passé genre vraiment des heures dessus. Et on a failli l'avoir, et en fait, on avait une chance sur. En gros, on avait à peu près une chance sur deux et elle m'a dit la mauvaise, quoi. Mais j'étais à ça de l'avoir, mais elle m'a dit la mauvaise réponse et du coup, j'ai pas eu de chance et je l'ai pas eu. Mais on a testé, hein. Ouais, la hache en argent, ça, ouais. Oh, je crois qu'on en avait eu une ou deux. Je calme. Mais là, en or, c'était une galère à choper. Hein. Ouais, je préfère. Mais t'es trop mignonne, Chihuahua. Franchement, je l'adorais, ce personnage. C'est qui est Mimi. Toi qui es mignonne, Nefert. Oui. T'es trop Mimi, toi. Chihuahua, elle était quand même un peu aigrie, si je peux me permettre. Ouais, ouais, elle était archi. Elle était. Comment on dit? C'est pas égocentrique, c'est un mot en hic, comme ça. Elle était un peu. Hic. Ça, c'est lui. Ouais, elle était hic. Tu veux dire quoi comme truc? Qu'elle était très. Carrée, très. Tu disais pas un truc qui va dans son sens, elle te démonte. Bah, c'est un mot. Elle était très carrée. C'est pas vrai, je suis gentille. C'est un mot qu'ils ont utilisé dans la vidéo de Squeezie que j'ai regardé tout à l'heure là dans le Peer Date.
Genre, il y avait une meuf. Non, pas excentrique. Non, pas excentrique. Pas hautaine un peu, ouais, mais c'est pas ça. La pauvre, on lui balançait des haches tous les jours dans sa tête, c'est pas faux. C'est vrai qu'il faut préciser ça aussi. Elle pouvait être un petit peu. C'était une zinzine aussi. Golémique. Comment on dit ? C'est un peu en mode t'es maniaque. T'es maniaque, mais super carré, genre. Je sais pas. Perfectionniste ? Non, c'est un truc en hic. En hic ? Historique, colérique. Ironique. Historique, elle a dit. Non, c'est pas ça le mot que je cherche. Strict. Ouais, c'est en mode t'es un peu strict, mais il y a un mot. Psychorigide, exactement ça que je cherchais. C'est pas du tout en hic, c'est vraiment rigide. Psychorigide, major. Elle était psychorigide, genre, exactement. Applique, applique en hic. C'est ça, merci donc, Caro. Psychorigide, là. À quel moment il y a un hic? Non, il y en a pas, c'était un hic. C'est trop. Psychorigique, elle était psychorigique. Merci, voilà, c'est ça que je cherchais, purée. C'est ça, c'est ça. Elle était très psychorigide, Chivava, genre. Ce mot est moche, je trouve, mais... On n'aurait jamais trouvé avec les trucs. Non. Si j'ai donné les mauvais mots. Les mauvaises infos. Vraiment, c'est quoi ce mot corrigé? Enfin, t'es sur des mots genre Patrick, des trucs comme ça. Hein, genre... Patrick. Patrick. C'est qui Patrick encore? Ma hache, elle s'est cassée. Patrick. Oh my god, Mariana. J'ai bien lu. La pépite d'or. La pépite d'or. J'ai bien lu, je crois. Patrick, c'est mon nom. Patrick, c'est mon nom. Salut, ton nom, c'est mon oncle. Tu vas y voir. On a le même oncle. Non, attends, pas Patrick. Toi, calme-toi, Rouleau. Ça, par contre. Il y a un truc sur internet, ça s'appelle la boîte à Patrick, et c'est que des sons de Patrick comme ça. Mais c'est vraiment genre un gros porc, genre, ça me dégoûte. Vous parlez de Patrick Sébastien? Non, non, juste de la boîte à Patrick. Ah, je connais pas. Je suis dans la boîte à Patrick. Non, oh non. Bah, regarde sur internet, Nef, tu tapes la boîte à Patrick et tu vas tomber dessus. Je vais voir. Il faut pas faire la écouter ça en live, quoi. J'ai peur. C'est un petit là, j'ai fait rire à des Lyonnaises, là. Ah, là, 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 là. C'est tout ce qui compte, Voli. J'ai fait rire à mon gang, la boîte à Patrick. Je vais tester de faire des petits chemins qui remontent, quand même. On va essayer de faire en sorte que la ville, elle ait un peu de relief au niveau des chemins, qu'elle n'ait pas juste deux chemins random et... Ça va placer la dose de buisson. Ah bah, il y en a pas encore. Non, j'en ai pas encore. Bisous, Shaima. Des bisous. Bonne soirée, Shaima. Bisous, Shaima. Amuse-toi bien. Bon courage, pourquoi bon courage? Elle va chez la mémé méchante, non? Elle va quoi? Elle va pas chez la mémé, il va quand qu'elle pas. Mais elle est pas à la même heure chez moi, elle a 19h chez elle, je crois. Non, non, elle a la même heure que nous maintenant. Ah non, oui, maintenant c'est vrai qu'on a changé d'heure. Oui. Elle y est, je crois. Ah. T'es chez la mémé méchante? Moi j'ai pas suivi ça, il y a une mémé méchante. Ah oui, si, elle m'a dit qu'elle mangeait sa nourriture pas bonne. Bah voilà. J'ai pas pensé que c'était tout à l'heure. Arrête. Pauvre petite Shaima, elle doit subir la mémé méchante. Le nom me fait rire. C'est un peu drôle le mot mémé, moi il me fait rire déjà de base. Mémé méchante, c'est rigolo. Alors mémé méchante. Oui, Malia, c'est ça. Oui, c'est celle qui habite à Lyon, les Lyonnaises. Mais non, ouais, les Lyonnaises, elle est Lyonnais. Bah oui, Malia. C'est dans le mot, finalement. C'est celle qui habite à Lyon. C'est pas compliqué en vrai, je pense. Les Lyonnaises sont les personnes qui habitent à Wallis et Futuna. Wow. Ça vient... C'est où cette ville là? Elle vient d'où? C'est un dom-tom. Ah oui, c'est vrai. Comment ça s'appelle, t'as dit? Wallis et Futuna, je crois. C'est pas un dom-tom, si? Si, c'est une île française. Ouais. Au large du Pacificu. Roulia, on crie pas là. Elle voulait montrer qu'elle... Elle voulait prouver qu'elle connaissait. Laissez-la prouver un peu, la pauvre. Elle mérite bien de prouver au monde entier. J'ai comme une envie de frites maintenant que t'en as parlé, Voli, c'est genre insupportable. On a besoin d'une map vivante, on demande un rouleau. D'ailleurs, petite anecdote un peu drôle. Quand j'étais petite, pour un Noël, mes parents ils nous avaient offert à mon frère et moi une map monde. Et c'était vraiment pendant longtemps genre mon meilleur objet, je pense. J'adorais. Et récemment, enfin ça fait longtemps, mais il y avait plus... Enfin l'ampoule, elle avait grillé dans la map monde parce que c'était ma lampe de chevet en fait. C'était une lampe, tu vois. Et c'était ma lampe de chevet pendant super longtemps. Et du coup, l'ampoule, elle avait grillé. Donc, bah, j'avais dégagé, j'avais changé de lampe. Et puis, bah, pour aller dans une map monde, changer l'ampoule, c'est relou, quoi. C'est bad chiant, le truc. Du coup, on l'avait mis de côté et basta. Et là, ma maman, elle m'a dit il y a pas longtemps, j'ai racheté une ampoule pour ta map monde, je vais la mettre en vente sur Vinted.
non. Je suis un peu triste, mais bon, je me dis que ça servira sûrement à d'autres personnes. Oui. C'est mieux ça qu'elle reste dans la poussière. J'espère que ce sera des petits des enfants qui auront la main de monde. Moi, j'avais kiffé. J'étais là, je faisais tourner le globe, et je faisais poum, et j'irais habiter là-bas. Et je tombais tout le temps dans l'océan, donc c'était pas une bonne idée. En mode Subnautica, là. Subnautica, Roulia. Je pouvais la brancher, moi, mon globe, et ça faisait un globe céleste. Oh. Céleste, oh, stylé. Ça, c'est vraiment, en vrai, franchement, la map monde, enfin le globe, genre, je trouve que c'est vraiment un bon objet à offrir à des enfants. Genre, tu t'inventes tellement une vie, genre, quand t'en as un. Franchement, j'avais kiffé mon mood d'en avoir une. C'est un objet vraiment tellement particulier, genre. Je l'avais offert à ma soeur. Elle n'en a rien eu à foutre. C'est vrai? Oh non, dommage. Ouais, elle n'a rien eu à foutre. Oh, trop dommage. Ça l'a amusé une journée, après, elle a duré, c'est bon, je te le rends ton truc, là. Souvent, comme ça, les enfants, tu sais, ils veulent grave un truc. Une fois qu'ils l'ont, ils se rendent compte que c'est un peu nul. Et du coup, ça perd toute sa valeur. Mais c'est comme pour tout, hein. Nous, on préfère avoir des éléphants, quoi. Éléphants. Éléphants. Viande. Salut, papate. Viande à toi. C'est trop bien, ce jeu. Ouais. C'était le seul jeu où je pouvais jouer toute seule dans ma chambre avec. Oh non, tu me fais de la peine. Bah, c'est ça quand t'es fille unique, hein. C'est pas faux, c'est terrible. Tu t'amuses comme tu peux, hein. On achète un éléphone. Ouais, arrête, c'est que je serais refaite de revoir ce jeu. Il était incroyable comme moi. J'ai encore tous mes jeux de société de quand j'étais petite. Mais arrête, genre le croque-carotte. Non, je les ai plus. Je les ai plus, les miens. Ma mère, mais les avait jetés. Maintenant c'est que je connais bien les fertes, en vrai, je trouve moins. Mais au début, c'est vrai. C'est vrai. Ah merde, j'ai dépassé le chemin là, je suis un peu con-con, moi. C'est vrai que j'entends de sa voix. Pépette, et non, c'est des fertes. Oui, Dan. Oui. C'est Nefertz qui est trop belle. Oui. Nefertz, chez Primark, j'ai vu un truc, c'était, je crois, un recourbe style l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il fallait que j'avance. Ah, tu l'as? Vas-y, c'est trop belle. Fallait que j'avance dans la file, du coup, je n'ai pas pu te l'envoyer en photo. Jamais. Mais ouais, la figurine, elle est trop belle, par contre. Oui, je la reçois lundi. En fait, c'est deux en une. T'as dû la payer cher, en vrai. Non, ça va. Les deux, ça m'a coûté 79 euros. Oh, on c'est ok, ouais. 9 euros chaque. Ouais, ça va. Ouais. Oui, j'ai c'est pas cher. J'ai payé au bout de 3 minutes où c'était en stack. Elle a bu, cette meuf. Elle a tout. Même bah, Jack, il a pas autant d'affaires, Jack, que elle, genre. La même que moi? Comment ça, la même que moi, Dan? J'ai pas compris. J'ai pas de figurine, l'étrange Noël de Monsieur Jack, moi. Oui, je viens de comprendre ce qu'il vient de dire. Par rapport à la voix. Attends, tu viens de comprendre parce que t'as lu le chat, quoi. Oui. J'ai toujours pas compris. Comment mais ça, non, c'est la même que moi? Tu parles pas à moi? Non. Tu es en gros qui s'habitue à la voix? Ah! Tu me parlais pas à moi, en fait, c'est pour ça. Ah. On n'avait rien compris. On est vraiment des losers. Voilà. Oh purée. C'est trop. On est fatigué. J'avoue, c'est une bonne excuse. On est fatigué. Vraiment, je te jure. Faut réfléchir un en peu. En même temps, hein. T'as pas mis le contexte aussi. Vraiment, mais en fait, tu parlais à Nefert. J'ai pas capté. Mais de quoi tu me parles? J'ai pas de figurine. Ça, je suis mais en fait, on a parlé. En fait, on a directement bifurqué sur les figurines. Mais du vraiment, coup, on était perdu. On a été un peu con-con, quoi. Ah purée. J'ai pas encore. J'ai écouté sur le TikTok de Coco, ma vida. C'est un marteau? Non, mais. Oh, il est chiant. C'est un maillet? C'est un bop. Un bop. T'as mis en majuscule du coup ça? Bop. Est-ce que tu t'y attendais à ça? Alors là. Non. Moi non plus. Prank. C'est un prank. C'est un prank. Il n'y a pas à sourire comme ça. Bon, en vrai, je pense que je suis pas mal. J'ai trop faim là. Je pense que je vais aller manger. Je vais aller me faire cuire quelque chose parce que j'ai trop la dalle. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là sur ASNL pour aujourd'hui. On aura posé tout. Nefer, c'est pas crié. On aura posé presque tous les motifs de l'île. Il faut que je regarde les futurs chemins. J'espère que je pourrai en mettre un là. En plus, j'étais dans ma chambre. C'était vraiment le truc. C'est trop. On a quand même. Oh, regarde, papa, t'as vu, t'aimes bien. J'ai Gertrude. On dirait Madison Beer. Ma vie. Ça, ils sont mimi mes chemins, franchement. J'ai hâte de mettre les contours. Enfin, de mettre des contours. De mettre genre des.
des petites rivières ainsi que des petites dalles. Fave de Gégère. Fan de Gégère, tu veux dire? Franchement, moi, non, quoi. Après, chacun ses goûts. Madison Bière. Madison Pierre. C'est ça. Bon, allez, je propose que ça sauvegarde un petit coup, là. Sauvegarder. Oh, tu sais, Madison Beer aussi, c'est pour moi. Je dis pas non. Regardez-le, lui, là. Ah, il bah, en manque pas une, hein. Il en manque pas une. Quelle femme, Madison Beer. Quel homme, Madison Beer. C'est trop. Allô. Allô. Bisous, ma vida. Bisous. Amuse-toi bien. Il a l'air beau, le jeu Avatar, en vrai. Ouais, j'ai vu quelques petits bouts de gameplay, là, franchement. J'ai envie il de a l'air l'acheter. Joli, mais il me tente pas plus que ça. Genre, à regarder, je trouve ça bien, mais j'y jouerai pas, tu vois, je pense. Amuse-toi bien. Bon, les cops, je me mute casque et j'arrive après, si ça vous va. Je vous à décale tout. Dans les copains. Bisous. Vas-y. Allez, j'ai décalé tout le monde, je suis vraiment très polie. Hein. Je vous remercie pour ce stream, c'est trop bien. TikTok, je fais des bisous. Je vous dis à demain 14h pour ACNH puis ACNL comme aujourd'hui. Hop, on est good. Vraiment, les mitaines, elles me font des traces sur les doigts. Genre, Théma, la trace, là. Vous voyez pas trop, mais ici, j'ai une trace de serrage. Hein. Enfin, bref, j'ai faim. J'ai mal au ventre. Je commence à avoir mal au ventre. Oula, mal au ventre tellement j'ai faim. J'ai envoyé un petit message à Tammy tout à l'heure. Elle m'a répondu. J'ai hâte de regarder parce que c'était une bonne. Ça va être un bon message, je pense. Il y a qui serait. Ah, bah, il y a Rock. Vraiment, jour où il y a Rock. Ah, il y a Arvandor. Il est sur. ACNL. Mais c'est parfait, ça. Oula. Alors, il y a Zafi qui est sur Animal Crossing New Horizon. Il y a Arvandor qui est sur ACNL aussi. Donc, écoutez, je propose qu'on aille raid Arvandor en fait. On reste dans le même jeu, on continue la soirée. On continue la soirée à CNL si ça vous va. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'arrive pas à copier-coller avec mes gros ongles. Je n'arrive pas à écrire. Touchez votre nez. Touchez votre pif. Allez, on va la mettre en veille. À tout moment, elle se connecte avec la ville. CTRL-C. Slash red. Riyad. Ça, c'est vraiment un influenceur. CTRL-V. Allez, je vous envoie chez Arvandor. N'hésitez pas à follow si vous ne connaissez pas Arvandor, qui est créateur de contenu Animal Crossing aussi. Et qui est passé sur ACNL, ouais, aussi récemment. Merci encore une fois à lui, c'est lui qui m'a aidé. Et qui, grâce à lui, on peut voir, en fait, vous pouvez voir mon jeu ACNL depuis ma DS, ça c'est magnifique. Donc merci à lui. Je vous invite grandement à balancer vos petits drapeaux, en fait. Pas de soucis, Zabou, t'inquiète pas. T'inquiète. Et amusez-vous bien chez Arvandor, il a commencé il y a 1h30. Il est en train de faire ses petites créatures marines. Très gentil, très bonne vibe, donc n'hésitez pas à mettre l'ambiance dans son chat. Et puis moi, je vous dis à demain 14h. Je vous fais des bisous. À demain.